passer pour cette soirée. Je veux remercier nos intervenants, Maryse Dumas, que vous connaissez, Daniel Linhart aussi, je n'ai pas besoin de les présenter. Pierre Laurent nous rejoindra un peu plus tard après la projection du film. C'est une soirée importante qu'a voulu la Fédération de Paris dans le cadre de la préparation de son congrès. Évidemment, les enjeux du travail au moment de l'aggravation de la crise sont centraux à la fois dans notre analyse politique et pour dégager une perspective alternative de société. La question du rassemblement des travailleurs est évidemment centrale. Donc c'est tout ça dont on va débattre ce soir. Je ne vais pas faire le débat avant le débat parce qu'on a des interventions, à mon avis, précises sur ces enjeux. Voilà, on va commencer par la projection du film de Marcel Trilla, Rêver le travail, et après nos intervenants diront successivement ce qu'ils pensent de ces enjeux. Merci. Quelque chose, et c'est pas toujours le cas. Ça vient ou pas ? Donc ça motive pas vraiment à travailler. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on revient à notre première lutte, notre parking favori. Que nous avons... Et voilà, l'être humain n'existe plus. Alors pourquoi ça s'est détérioré, d'après vous ? Le fric, toujours plus. Nos actionnaires, toujours, en veulent toujours plus. Il faut gagner. Pour faire une palette, il faut 45 minutes, donc il faut que vous la fassiez en temps. Il faut faire multifonction, ça veut dire multi-choses. Donc il faut toujours aller vite. Et puis. J'ai eu le temps de parler avec. C'est suffisant. C'est vrai que ça va à l'encontre de l'image qu'on a du métier. Et si ça continuait comme ça ? Si ça continuait comme ça, on aurait des jardins sans arbres. Des conditions de travail. Au début, on pouvait prendre en charge de façon acceptable les patients, faire des soins de qualité. Qui est un tribunal quand même qui fonctionne assez bien au niveau du contentieux, quoi, donc de dossiers. On est deux juges des affaires familiales pour s'occuper. On rend chacun à peu près 1200 jugements chacun par an. Ce qui est énorme. La moyenne, globalement, c'est 700 en France. Donc je pense qu'en 2012, on rendra plus encore parce que ça augmente. Quand la précarité augmente, de toute manière, la situation familiale se délite et donc ça arrive devant le juge, des affaires familiales. Donc ça, c'est clair. Et notamment, on a aussi des situations familiales où la violence existe. Faut pas le nier, il y a des violences familiales, intrafamiliales, qui font que, pour une raison ou pour une autre, le juge va décider que l'un des deux parents ne peut pas voir les enfants, ou il peut les voir dans un cadre sécurisé, avec un travail éducatif. Et puis, c'est ma collègue aussi, en disant, le droit de visite s'exercera sur un parking de gendarmerie. Voilà. On est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire que les gendarmes pouvaient jeter un coup d'œil pour savoir ce qui se passait sur le parking. On disait toujours, parce que je me rappelle, je disais, mais je trouve que l'ambiance se dégrade quand on n'était plus tellement nombreux. Mais il me dit, c'est normal. Il dit, dans un groupe de 30, si tu as deux camps, bon, il parlait comme ça, je vous réponds, c'est noyé dans le groupe, ça se voit pas. Mais dans un groupe de 5, ne serait-ce qu'un camp, tu pourris l'ambiance. Donc je pense que le fait déjà de passer d'équipes assez nombreuses à des équipes plus restreintes, avec des charges de travail, ma foi, qui sont aussi modifiées, hein, ça a déjà changé les relations. Donc ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'industrie où on avait des patrons entre guillemets industriels. Je ne veux pas dire que c'était des saints non plus. On a toujours eu des conflits avec les patrons parce qu'on a des intérêts quelquefois qui diffèrent, même souvent. Les patrons, on ne sait pas qui ils sont. En ce qui concerne l'usine où je travaille, donc on a été Péchinet jusqu'en 87, donc entreprise nationalisée jusqu'en 87. On a été Alcan à partir de 2004. Alcan a subi une OPA 3 ans après de Rio Tinto, donc là, on n'est plus. Rio Tinto, c'est l'Australie. Donc on ne sait même plus qui est à la tête de l'entreprise. Et eux, je pense, ne savent même plus quelle entreprise ils ont. Voilà. Et ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'industriels au niveau de la tête des entreprises. Aujourd'hui, on a des financiers qui rentrent sur la route pour vous expliquer où faut marcher. Où c'est dangereux de marcher, où c'est pas dangereux de marcher.
On propose au personnel de mettre un podomètre pour calculer le nombre de pas qu'il fait dans la journée. Et puis après, il y a un petit concours, celui qui a fait le plus de pas, il a un petit t-shirt. Vous voyez, c'est ça qui a changé, c'est-à-dire qu'on est en train d'infantiliser les gens. Les pompiers, on intervient sur des pannes, ben après on bricole. Des fois, on démonte une machine pour en réparer une autre. Voilà. Donc ça fait un boulot, ça décuple les tâches de travail et puis un sentiment de mal faire les choses. Et ça c'est pesant pour un gars qui est consciencieux dans son travail. Et les concurrents de Nestlé qui étaient Château d'Eau. Voilà. J'ai ensuite été au chômage pendant un an. J'ai eu une formation, Pôle emploi m'a proposé une formation pour être agente sûreté aéroportuaire. J'ai tout de suite accepté parce que j'avais besoin d'être active, je ne voulais pas rester au chômage. Remercier en votre nom Marcel Tria, hein, qui a réalisé avec son équipe ce film. C'est-à-dire qu'il l'a fait dans des conditions exceptionnelles et de temps, parce qu'il n'avait même pas un mois pour réaliser ce travail. Et il nous impose, bon, c'est pas très long, j'ai essayé de condenser. Je pense... Comment ? D'accord. Un des phénomènes les plus marquants de la transformation du monde du travail, si on le compare aux années dites des 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, c'est évidemment l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Il y a eu, en réaction à mai 68 et par décision du CNPF au début des années 70, une décision qui consistait à atomiser systématiquement la gestion des salariés. Et cette décision qui, évidemment, visait à inverser le rapport de force qui s'était manifesté comme éminemment défavorable au moment de 68, a été stratégiquement développée sous couvert de répondre aux aspirations des salariés qui s'étaient manifestés justement au cours de 68. Alors il y a eu toute une sorte d'envolée lyrique, une rhétorique patronale de l'époque sur un mode un peu gaullien de « nous vous avons compris » qui consistait « on va mettre en place de l'autonomie, de la responsabilité, plus de liberté dans le travail, on va récompenser les mérites individuels et personnels des salariés, on a vraiment compris quelles sont leurs revendications et on développe donc toute une série de dispositifs qui vont mettre en place l'individualisation. Pour donner des exemples, ça a commencé par les horaires variables, c'est que les gens n'embauchaient pas au même moment, ne déjeunaient pas au même moment, ne prenaient pas leur pause au même moment. Bon, et jusqu'à la polyvalence où les gens circulaient au sein des ateliers. Bref, tout ce qui, en réalité, attaquait de plein fouet les collectifs de travail. Si on ne vit pas au même rythme, si on circule, on n'est pas affecté à des places stables, effectivement, il y a un délitement qui s'opère des collectifs de travail. Et tous les années 70 et 80, ensuite sous couvert de révolution managériale, a contribué à accentuer cette dimension extrêmement individualisante jusqu'à arriver, dans les années 80-90, à ce fameux entretien d'évaluation avec le N plus 1, où chaque salarié se voit assigner des objectifs personnels et voit ses performances évaluées sur un mode individuel. Mais qui aurait pu imaginer une seule seconde dans les années 60-70 qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son patron pour se voir fixer des objectifs personnels et voir évaluer ses performances individuelles. Tout ça pour vous dire l'énorme transformation extrêmement spectaculaire qui nous fait passer d'une époque de gestion collective qui fait que les salariés ont le sentiment de partager un destin commun parce qu'ils sont payés, ils ont le même salaire pour les mêmes tâches, ils progressent à l'ancienneté, de voir ce monde-là transformé et voir ensuite des ouvriers qui sont nommés opérateurs, négocier entre guillemets leurs objectifs individuels et voir leur,
leur évaluation personnalisée. Bon, il y a vraiment eu une transformation énorme. Ça, c'est un point, à mon avis, qu'il faut absolument avoir à l'esprit, mais qui ne constitue que le levier, que le pilier à partir duquel se développent toutes les autres stratégies managériales qui vont se traduire par des politiques très particulières. Alors, je crois que le problème qui est à l'origine de l'invention de cette révolution managériale, c'est que le taylorisme, l'organisation taylorienne du travail, est devenue progressivement inopérante et inefficiente. C'est-à-dire qu'avec la montée en puissance du travail tertiaire, donc de travail de service, avec même dans l'industrie l'informatisation, la robotisation, qui font que de plus en plus les opérateurs rentrent des données, et élaborent des diagnostics, échangent des informations, font de la surveillance, etc., etc., on se trouve dans des situations de travail qui sont de plus en plus incertaines, imprévisibles. Et du coup, la logique taylorienne, qui est un véritable carcan rigide, devient beaucoup moins efficace et beaucoup moins opérante, notamment dans les situations de service où on est en interaction avec un client, un patient, un élève, etc. etc., etc. Bon. Et en fait, le taylorisme, ça n'est pas qu'une organisation technique du travail, c'est aussi un mode de domination. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le taylorisme, qui a été une ressource énorme du côté patronal, c'est une forme d'emprise directe via l'organisation du travail sur les salariés pour les obliger à travailler de la façon voulue par la direction, quels que soient leurs états d'âme et quel que soit leur état d'esprit. Et je reprends les termes que choisit Taylor quand il expose sa méthode scientifique d'organisation du travail. Il dit il faut prévoir une forme d'organisation qui empêche les ouvriers de peser sur le travail selon leur point de vue, selon leurs états d'âme et leur bonne ou mauvaise volonté. Donc c'est vraiment une modalité de domination qui permet de prendre en charge directement les salariés via l'organisation même du travail, puisque la prescription est inscrite dans la définition des tâches. Or, une fois que cette ressource devient moins opérante, se pose le problème, un vrai problème et un véritable traumatisme pour les managers, c'est comment obliger les salariés, lorsqu'on n'a pas cette ressource que constitue l'organisation scientifique du travail, comment obliger les salariés à travailler selon les méthodes, les critères voulus par l'entreprise. Parce qu'on retrouve les problèmes qui sont soulevés dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un véritable point de vue de professionnel de tous ces salariés sur leur travail, sur qu'est-ce qu'un travail utile, qu'est-ce qu'un travail bien fait, qu'est-ce que le métier, quelles sont les règles de l'art en l'occurrence, comment est-ce qu'on doit travailler. Il y a un conflit au sein du contrat de travail fondamental parce que l'employeur qui a acheté le temps de ses salariés veut imposer sa manière de considérer ce qu'est le travail. Il y a une volonté de s'approprier le sens du travail, et c'était l'organisation taylorienne le rendait possible concrètement. Mais comment faire en sorte, lorsqu'on a plus recours à l'organisation taylorienne, d'obliger les salariés à travailler non pas selon leur propre point de vue de professionnel, mais selon les critères d'efficacité, rentabilité, profitabilité voulus par la direction. Et c'est là qu'on voit se mettre en place des politiques managérielles très particulières. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je peux la résumer en disant que c'est une sorte de politique qui marche sur deux pieds, sur deux piliers. Une première sur la base, évidemment, de l'individualisation et de la personnalisation du rapport de chacun à son travail. C'est une offensive extrêmement forte et extrêmement déterminée, une offensive idéologique, éthique, morale, à l'égard des salariés pour emporter leur adhésion. Et on a vu toute l'énergie et tout le temps consacré par les directions des grandes entreprises à cet égard, à travers notamment l'offensive participative des années 80, où on mettait en place des cercles de qualité, des groupes ad hoc, on mobilisait les salariés pour leur faire définir la culture de leur entreprise, non pas les cultures professionnelles, mais la culture de leur entreprise, les missions de leur entreprise, l'âme de leur entreprise, comme disait par exemple Etchegoyen. Bon, il y a eu toute cette offensive, et puis il y a eu l'offensive éthique à travers les chartes éthiques, les codes déontologiques, les règles de vie, qui prétendaient substituer une morale du travail, une morale de l'entreprise à la morale de la société.
Et en fait, de définir le salarié vertueux qui était disponible, flexible, mobile, loyal à l'égard de son entreprise, qui accepte de prendre des risques, qui accepte de se mettre en danger, qui accepte de prendre sur lui, qui accepte de coloniser sa vie privée et qui vise en permanence l'excellence. Alors il y a eu toute une énorme campagne pluridimensionnelle visant à essayer de promouvoir cette idée que ne sont employables, n'ont leur place dans l'entreprise, ne sont méritants que les gens qui adoptent ce point de vue, qui adoptent cette posture morale et éthique dans le cadre de la grande guerre économique qui nous frappe au moment de la globalisation et que lorsqu'il s'agit de défendre les emplois, défendre les entreprises, un salarié qui n'a pas, qui n'adhère pas à cette idéologie et à cette morale, c'est comme la cinquième colonne durant la guerre. Bon. Alors, il y a eu énormément d'emphase et dans cette offensive et puis il y a eu ce que certains de mes collègues appelle une sorte de volonté d'introduire un contrat narcissique à travers le travail qui consiste à promouvoir cette idée de façon implicite à l'égard des salariés que, en acceptant de relever tous ces défis et cet engagement qu'on leur demande, qu'on exige d'eux, eh bien, ils vont parvenir à trouver, à découvrir en eux-mêmes des ressources qu'ils ignoraient, ils vont approcher un état de toute puissance, un idéal du moi. Je vous renvoie au développement introduit par Vincent de Gaulle et Jacques, Marie-Anne Dujarrier, Fabienne Annick, etc. Cette idée qu'il y a véritablement la volonté, en gros, de réduire le sens et la finalité du travail à un double périmètre qui n'est plus celui de la société, mais qui est le périmètre réduit aux intérêts de l'entreprise et le périmètre réduit au rapport que chacun peut narcissique, au rapport narcissique que chacun peut entretenir à son propre travail. Donc, il y a une sorte de volonté d'appropriation de la finalité, du sens, symbolique même du travail, et de rompre en quelque sorte le cordon ombilical qui relie chacun à son travail avec les enjeux de la société, en termes économiques, en termes politiques, en termes culturels et sociaux. Et on en a eu aussi des exemples, quand quelqu'un disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les autres, de voir pour autrui, et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. » Il y a tout cet aspect-là, donc cette offensive éthique, idéologique, qui se joint aussi à une sorte d'offensive dans des certains termes ludiques à l'égard des jeunes. Venez chez nous, vous allez voir la vie que vous allez mener, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est... Pardon, il y a là aussi toute une sorte de symbolique ludique à l'égard des jeunes qui est mise en avant. Alors ça, c'est tout un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est très important. Merci beaucoup, pardon. Un aspect important, même si ça, on dit c'est idéologique, c'est éthique, c'est pas important, ça contribue beaucoup, beaucoup à modeler, notamment auprès des jeunes salariés, un certain imaginaire du travail, et en tout cas, ça enferme les uns et les autres dans un rapport extrêmement personnalisé, le travail devenant de plus en plus une épreuve solitaire et non plus une expérience socialisatrice ou une expérience collective comme ça pouvait l'être avant. Mais il y a un deuxième mouvement qui est encore beaucoup plus pragmatique, qui est, à mon avis, encore plus dangereux et plus problématique. Et enfin, c'est ce que moi j'appelle un mouvement de précarisation subjective des salariés stables. Parce que si on veut exercer une domination, si on veut exercer une emprise sur les salariés pour leur imposer de renoncer à leur point de vue de professionnel, leur point de vue de citoyen sur leur travail, eh bien, il faut parvenir à les déstabiliser. Alors, on en a vu un exemple aussi sous la forme du travail précaire. Il est évident qu'on voit bien le travail précaire, intérimaire, saisonnier, sous forme de contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se développer. Et on sait très bien que c'est un moyen assez facile, du point de vue managérial, d'assurer une emprise idéologique et morale, entre guillemets, sur les salariés. Bon, s'ils veulent atteindre le Graal que représente le contrat à durée indéterminée, eh bien, il faut qu'il se montre plus royaliste que le roi et qu'il en rajoute en termes d'engagement, d'adhésion, etc. Bon, mais, comme on le sait, en France, même si en termes de flux, le précariat représente une réalité quantitative très importante, la majorité des salariés reste quand même protégée par un code du travail qui, en France, est beaucoup,
plus protecteurs encore que dans d'autres pays, ce qui angoisse beaucoup nos managers. Et donc, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires dans notre pays. Donc, les managers français sont persuadés qu'ils sont extrêmement handicapés dans le cadre de la concurrence par rapport aux autres pays, en raison justement de cette stabilité des emplois pour une grande partie des salariés français, pour ce côté protecteur du code du travail. Donc, comment exercer une emprise, une domination sur des salariés qui sont protégés par des emplois stables? Et c'est là que le processus de précarisation subjective est intéressant, parce que ça consiste, là où les salariés sont protégés par leur stabilité, de les mettre en difficulté, dans situation de vulnérabilité, de manière à ce qu'ils soient obligés d'adhérer, finalement, de se raccrocher aux seuls critères, aux seules méthodologies de travail imposées par leur entreprise. Alors, comment est-ce que ça se passe, cette précarisation, ce processus de précarisation? En fait, ça passe par l'idée de il faut faire en sorte que les salariés ne se sentent pas à l'aise dans leur travail, ne se sentent pas chez eux dans leur travail, qu'ils se sentent dépendants. Et comment est-ce qu'on fait pour les mettre dans cette situation? Eh bien, il y a véritablement un angle d'attaque qui est extrêmement favorable du point de vue managérial et qu'on voit se développer beaucoup dans nombre de situations de travail. C'est une attaque en règle de la seule ressource qu'ont les salariés pour pouvoir imposer un point de vue argumenté. C'est l'expérience professionnelle. Attaquer l'expérience professionnelle, c'est attaquer les seules ressources dont disposent les salariés pour pouvoir s'opposer, pour pouvoir imposer un autre point de vue que celui voulu et décidé par les directions dans le cadre de la financiarisation du capitalisme, dans le cadre de cette concurrence exacerbée. Et on voit très bien, notamment, on sait que le métier, c'est de l'expérience coagulée, hein, collective, coagulée, certifiée, validée, dynamique, etc. Et on voit une attaque en règle des métiers dans la plupart, notamment des lieux de secteur public, que ce soit le milieu hospitalier, les enseignants, mais en règle générale, on a bien vu dans le privé aussi, que ce que recherchaient à mettre en place les managers, c'est avant tout des savoir-être, des postures professionnelles, des capacités d'adaptation, de comprendre ce que l'on veut d'eux, plutôt que des genres de métier, plutôt que du métier réellement. Donc on voit des attaques en règle du métier au nom des savoir-être, au nom des capacités d'adaptation, etc. Et puis, partout où l'expérience existe grâce à une certaine stabilité, dans une certaine ancienneté, dans le travail, qui permet d'avoir un recul, qui permet d'avoir capitalisé les connaissances, qui permet de maîtriser son travail, d'avoir une certaine sérénité par rapport à ce travail, et donc de pouvoir s'imposer dans les situations de travail et d'imposer un point de vue, et bien là, on voit les milieux de travail régulièrement dévastés par des politiques systématiques de changement, de réforme, de restructuration, de redéfinition de métiers, de recomposition de services, de déménagement, de mobilité systématique, qui font que les gens tourbillonnent, tournent sans cesse, sont en situation permanente de désapprentissage et de réapprentissage, se retrouvent sur le fil du rasoir, ont toujours à faire des efforts démesurés pour essayer de comprendre les paramètres des nouvelles tâches qu'on leur fixe avec des nouveaux logiciels, avec des nouveaux collègues, avec des nouveaux clients, dans des nouveaux services, etc., etc. Et ils se trouvent véritablement dans des situations qu'on peut appeler de précarité subjective, parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de faire convenablement leur travail. On ne leur donne pas la possibilité d'être les bons professionnels qui puissent dominer, maîtriser intellectuellement et subjectivement leur travail, de manière à pouvoir le faire avec le sens et la professionnalité qu'ils souhaitent y mettre. Donc on voit ces deux aspects qui se développent de plus en plus, une précarisation objective par une mise en difficulté, une mise en vulnérabilité des salariés en attaquant la ressource fondamentale que constitue leur expérience, et puis une sorte de modelage idéologique pour qu'ils s'ajustent aux valeurs préconisées par l'entreprise, ces valeurs de flexibilité, mobilité, d'engagement, de goût du risque, etc. Et puis il y a un troisième élément qui me semble, c'est pas du tout pour faire de la dialectique, mais il y a un troisième élément qui me semble indispensable aussi à comprendre, c'est qu'il y a un nouveau discours, il y a une nouvelle idéologie qui se met en place, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça, qui s'appelle les RH de bienveillance. Cette idée qu'il faut qu'on prenne soin de nos salariés, avec cette sorte de prise de conscience à un moment donné, que ce qui est exigé des salariés,
cette vulnérabilité, cette mise en danger, cette précarité subjective qu'on leur impose peut avoir des effets délétères sur non seulement la vie au travail, dans l'entreprise, mais aussi sur la productivité, l'efficacité, la qualité du travail, bien entendu, puisqu'on attaque la professionnalité des gens. Donc il y a cette mise en avant d'un troisième paramètre, on pourrait dire, celui de la bienveillance. On va prendre en charge les salariés de manière à ce qu'ils puissent se consacrer entièrement et dans la forme la plus optimale à leur travail. Et donc, on prend en charge leur vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer de façon absolument frappante. Comme ça ne vous a sans doute pas échappé, on voit fleurir les conciergeries où il s'agit d'envoyer un bouquet de fleurs à madame si monsieur le cadre reste indûment jusqu'à 22h, 23h à son travail, où on va réserver les voitures pour le week-end, préparer des voyages, nettoyer, faire du pressing. On peut masser les gens aussi s'ils ont des problèmes. Il y a des psys qui vont les écouter, ils ont des coachs qui vont les guider. Enfin, il y a toute une prise en charge et la volonté de faire en sorte que les salariés n'aient pas, c'est le discours un peu qu'on entend des RH bienveillants, n'aient pas de préoccupations qui proviennent de leur vie privée lorsqu'ils arrivent à l'entreprise, de façon à pouvoir s'adonner totalement et s'engager totalement au travail qu'on veut leur fixer. Et ça va très très loin. Enfin, moi j'ai entendu dans des séminaires de club RH des choses qui se font dresser les cheveux sur la tête, cette espèce d'intrusion dans la vie privée des gens, de manière à ce qu'ils soient susceptibles ensuite d'être totalement disponibles, à la fois pour l'idéologie du travail, et puis cette forme de mise au travail de la révolution managériale qui se développe. Bon, plusieurs livres, il faudra peut-être rappeler les titres. Travailler sans les autres. Point d'interrogation quand même. Perte d'emploi, perte de soi, la modernisation des entreprises. Voilà, et on la remercie beaucoup, beaucoup pour d'être venu avec nous ce soir. Oui, bonsoir à toutes. J'en profite pour dire à toutes et tous, parce que les médias nous influencent beaucoup, et donc systématiquement maintenant les médias disent bonjour à tous. Or, nous sommes les toutes aussi. Donc, moi, j'insiste pour qu'on dise toutes et tous, parce que nous ne sommes pas pareils, même si nous composons ensemble. Mais... Voilà, d'abord, après la présentation qu'a fait Daniel, on mesure les questions gigantesques qui sont posées par la question du travail. Alors, je voudrais saluer l'initiative qui est prise ce soir, parce que... je pense qu'il y a une prise de conscience du Parti communiste en particulier sur l'importance de retravailler les questions du travail pour construire à partir de là des alternatives et transformer la société. Je salue cette initiative, c'est un début, il en faudra beaucoup d'autres parce que c'est une question gigantesque. Personne n'a la vérité révélée. Mais c'est justement en y travaillant, en se mettant ensemble, en discutant, en échangeant des expériences, des points de vue, etc., que je crois qu'on pourra trouver le fil qui va nous permettre de répondre aux besoins de notre temps. L'exposé que nous a fait Daniel, moi je n'y reviens pas, il est très complet, en même temps il pose des tas de questions. Je veux juste vous faire remarquer qu'elle a parlé du travail, elle n'a pas dit « dans l'industrie c'est comme ça, dans les services c'est comme c'est autrement, et dans les services publics c'est encore autrement ». C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous, quand on travaille dans un service public, dans une entreprise du commerce, ou dans une entreprise industrielle, on se reconnaît dans ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, les pratiques managériales, ce sont les mêmes partout. Et elles s'appliquent évidemment de façon différenciée selon les rapports de force, les cultures d'entreprise, les cultures syndicales, etc., etc. Mais les objectifs sont les mêmes. Et ça, moi, c'est ma première remarque sur en quoi le travail est-il une question politique, parce que moi, c'est là-dessus que j'ai envie de discuter un peu ce soir, compte tenu de ce qu'est l'Assemblée. Eh bien, c'est une question politique parce qu'en fait, la totalité... du fonctionnement de la société, de où elle va, se joue dans le travail, commence dans le travail et dans les rapports de travail.
Il y a un lecteur de, ou une lectrice, peut-être, ça, j'ai pas fait attention, de l'UMA, là, dans le courrier de l'UMA cette semaine, qui dit bon, alors on peut plus parler d'exploiteurs ni d'exploités, maintenant il n'y a plus que des défavorisés, mais qui sont donc les défavoriseurs? Je trouve la question bien posée, ça revient à la question du vocabulaire donc, qu'a abordé aussi Daniel, qui vise à masquer la réalité de ce que sont devenus les rapports de classe aujourd'hui. Alors, d'abord, un petit problème sur le vocabulaire. Dans la vie courante des uns et des autres, on confond travail et emploi. Hein, on dit « je cherche du travail » pour dire « je cherche un emploi » ou bien « j'ai du travail » pour « j'ai un emploi ». On confond dans le langage courant. Mais dans la réalité, je crois qu'il faut qu'on approfondisse la différence et les points communs et les différences entre travail et emploi. Et je vais dire pourquoi il faut qu'on approfondisse. L'emploi, c'est ce qui permet de donner un statut au travail que l'on fait. Le travail, les femmes le savent bien, hein, on travaille gratuitement dans la sphère domestique. Le travail, il y a une évaluation récente qui a été faite par l'INSEE il y a quelques jours. Le travail gratuit que les femmes exercent dans la sphère domestique est supérieur à la totalité du travail rémunéré dans le pays, vous vous rendez compte. Donc le travail, tout le monde travaille, bricole, fait un travail intellectuel, etc. Le travail, tout le monde en fait. L'emploi, c'est le statut du travail qui devient rémunéré, en quelque sorte. Et qui donc, au travers de l'emploi, devient quelque chose qui se voit à titre personnel, parce que comme il est rémunéré, les femmes le savent bien, ça permet l'autonomie, l'indépendance et d'avoir droit au chapitre à la maison, et puis rémunéré aussi dans la société. Et l'emploi, lui-même, il y a des déclinaisons. Daniel en a parlé. Selon le code du travail, selon qu'on est dans le statut de la fonction publique, même s'il est bien mis à mal aujourd'hui, selon qu'on est en CDI ou en CDD, ou en intérim permanent, ben c'est pas la même chose. Ça, c'est le statut d'emploi. C'est l'emploi. Le travail, c'est encore autre chose. Bien sûr, le travail, il est influencé par le statut d'emploi. On ne vit pas son travail de la même façon selon qu'on est en CDD pour un mois dans la boîte ou selon qu'on a 10 ans d'ancienneté et qu'on pense qu'on a encore du temps devant soi. D'ailleurs, quand Daniel dit l'une des stratégies de management aujourd'hui, c'est de précariser dans leur tête les salariés en CDI, les salariés stables, mais qu'ils se sentent précaires dans le travail, c'est bien parce qu'il y a une interférence entre la nature du contrat de travail et la façon dont on se vit au travail. Cependant, le travail, c'est ça a une dimension plus importante. On a vu dans le film, moi je trouve que le film, c'est un exploit, parce que dans un laps de temps si court, présenter un tel kaléidoscope des situations de travail qui recouvre ce qu'on peut, si on avait à le faire de façon plus élaborée, on recouvrirait à peu près tous les témoignages qu'il y a là. On voit bien Najat, la dernière interviewée par exemple, hein, qui a fait deux CDD, puis ensuite dans la sécurité, puis finalement encore au chômage, etc. On voit bien qu'elle a une vision du travail qui dépasse son contrat de travail, qui dépasse même les contrats de travail dans lesquels elle a été, et qui rejoint tout à fait les témoignages que d'autres ont pu donner, qui sont en emploi stable, le jardinier ou bien l'infirmière, etc., etc. Donc qu'est-ce qui se joue dans le travail au fond pour chacun et chacune d'entre nous? C'est pluridimensionnel et je ne suis pas une scientifique et donc je n'en ferai pas le tour. Mais pour ce qui nous concerne en tant que question politique, bien, ce qui se joue dans le travail, c'est d'abord un rapport personnel au travail, un épanouissement, ça a été employé à plusieurs reprises dans le film et on l'entend tout le temps, la capacité de s'affirmer, de se sentir utile, d'être pleinement soi-même. Hein. Je crois que c'est le juge qui dit le travail, je le continue après parce que je le continue après la fin de mes heures parce que c'est une forme d'épanouissement. Mais le travail, c'est aussi un rapport social d'un double point de vue. C'est un rapport social avec ceux qui ont le pouvoir,
économique dans l'entreprise, le pouvoir de décision dans l'entreprise et qui impose un certain nombre de règles, l'organisation du travail hein, qui reste le monopole patronal. On peut là aussi le vocabulaire, on peut parler de négociation, de tout ce qu'on veut. L'organisation du travail, le patronat, il n'y a pas de négociation sur l'organisation du travail. Hein. Voilà, ça c'est de droit divin. Là. Donc, il y a un rapport de travail salarié dirigeant de l'entreprise, mais il y a aussi un rapport social des salariés entre eux, hein, de ce collectif de travail, qui précisément, ce collectif de travail, Daniel l'a très bien montré, est profondément attaqué. On veut que les gens se mettent dans une situation où ils croient qu'ils sont dans un rapport individuel avec leur hiérarchie, mais on détruit les communautés de travail. Or, c'est une question politique, parce que dans un pays où 89% de la population active est salariée, 89% de la population active est salariée, donc 89% de la population active dans son travail quotidien est confrontée à ça, et on ne peut pas imaginer qu'à partir du moment où la stratégie de travail est celle que nous a décrite Daniel, ça n'a pas d'influence sur la façon dont on se comporte dans la société et dont on se comporte en tant que citoyen ou citoyenne. Et on pourrait, alors je n'ai pas de statistiques, mais je suis sûre qu'on pourrait les trouver, si on faisait une statistique du développement, par exemple, des phénomènes de violence dans la société, en rapport avec le développement des phénomènes de violence dans l'entreprise, y compris de violence sur les salariés eux-mêmes, au travers notamment des suicides, qui sont ce que l'on voit le plus aujourd'hui, encore qu'on n'en voit pas toutes les réalités, mais qui permet de voir tout le reste, avant d'arriver au suicide, tout ce qui se passe, eh bien, on pourrait construire un parallélisme. De la même façon qu'on peut construire un parallélisme entre l'impact des nouvelles formes managériales dont a parlé Daniel et le désinvestissement de la plupart des gens de tout ce qui est la vie collective dans la cité, dans les associations, etc., etc. Bien sûr, il y a le fait que l'aménagement du territoire, en fait, tout a changé. Autrefois, on habitait, on travaillait dans un espace restreint, on voyait les mêmes gens au travail et dans la vie locale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, le travail influence aussi l'aménagement du territoire et le rapport à la société. Donc, pour un parti politique comme le Parti communiste, qui se fixe pour objectif la transformation de la société, une transformation fondamentale des rapports sociaux, l'émancipation humaine, peut-il penser cette émancipation humaine en considérant qu'il y a d'un côté le travail et de l'autre la politique et la société? C'est pas possible. Enfin, à mon avis, c'est pas possible. Vous direz ce que vous en pensez. Moi, je vous dis ce que je pense, moi, pour qu'on en débatte, justement. Historiquement, quand on reprend l'histoire, je suis adhérente du Parti communiste, militante de la CGT. Aujourd'hui, je vous parle en tant que citoyenne et adhérente du Parti communiste, si vous l'acceptez. Mais je n'oublie pas ce que j'ai appris à la CGT. Nous avons une matrice commune. Hein, le 19e siècle, la Révolution française d'abord, 1789, puis les révolutions du 19e siècle, la Révolution industrielle. Et la matrice commune, avant que les partis politiques existent, avant que les syndicats existent, il y avait des mouvements dans lesquels nous avons pris, Parti communiste et CGT, nos racines. Et ces mouvements, ils analysaient, avec Marx évidemment, ils analysaient les rapports de production, les rapports d'exploitation, les rapports de classe. Et c'est cette matrice sur laquelle, ensuite, Parti de gauche, et notamment Parti communiste, mais pas seulement, le Parti socialiste de l'époque, hein, et la CGT et bien d'autres syndicats, puisqu'après il y a eu un émiettement, je n'y reviens pas. La question, c'est que moi je suis archi convaincue que nous sommes toujours dans une société de classe et dans une société d'exploitation de classe. La question, c'est que nous avons une difficulté à identifier où sont et comment se mènent les rapports de classe et comment les renverser. J'ai été frappée il y a une enquête il y a 15 jours publiée dans l'Humanité, une enquête réalisée par l'Humanité sur
la lutte des classes. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a plus de gens aujourd'hui en France qu'il y a 10, 20 ans, puisqu'il y a plusieurs échéances. On est plus nombreux aujourd'hui en France à penser que la lutte des classes existe qu'il y a quelques années. Mais, parce qu'il y a un mais, on est moins nombreux qu'il y a 10 ou 20 ans à identifier dans quelle classe on se situe. Ben moi, je crois qu'il y a là la grande question. C'est la grande question qu'il faut se poser politiquement. Et on ne pourra pas travailler sur l'identification de classe, on ne reviendra pas au passé. Le fleuve ne revient pas à sa source, on dit souvent, et aucun de nous ne redeviendra un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc on ne reviendra pas au passé. Il faut analyser les rapports de classe tels qu'ils sont aujourd'hui. Et les rapports de classe tels qu'ils sont aujourd'hui, on ne peut pas les analyser sans analyser le travail. Parce que c'est là que ça se joue. Les rapports de classe se jouent dans le travail. Et y compris pour définir une stratégie, pour définir les contours de classe, il y a besoin d'un travail politique sur le travail. Je viens de parler de la matrice historique du 19e siècle qui nous est commune. Il faut reconnaître, je fais un détour, Yves Claude, dans la conclusion, il dit il y a une culture de la fierté du travail. Il faut définir une culture de la fierté du travail. Et en entendant ça, je me disais, le Parti communiste a donné une fierté à la classe ouvrière dans son histoire. Il a rendu les ouvriers, ils étaient exploités, les ouvriers. Il ne faut pas croire, hein, les conditions de travail étaient terribles. On ne va pas comparer, mais il ne faut pas idéaliser le passé. Mais il y avait la fierté d'être ouvrier. Et cette fierté d'être ouvrier, ce n'est pas les capitalistes, ce n'est pas les patrons qui l'ont donnée. C'est les organisations ouvrières. La CGT pour sa part, le Parti communiste pour la sienne. Et c'est ça qui a permis des luttes, des identifications, des mouvements puissants. C'est à ça qu'il faut revenir. Pas dans les conditions d'avant, mais dans les conditions de l'exploitation d'aujourd'hui. Parce que dans les conditions de l'exploitation d'aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est là. Alors, le problème, c'est que les typologies INSEE ne correspondent pas aux analyses de classe. Ce serait, hein. Mais quand on regarde les comportements, les réactions, les façons de voir la société, vous avez ouvriers-employés qui représentent à peu près 60% du salariat, qui répondent à peu près de la même façon sur les grandes questions de société, politique, etc., etc. Et donc je crois qu'il y a là quelque chose à travailler pour redonner du sens, redonner de l'identification et affirmer une stratégie. Yves Claude le dit aussi, moi je partage complètement, la politique a délaissé le travail, du coup les travailleurs se sentent abandonnés de la politique et ne s'y reconnaissent plus. Là aussi il y a une enquête récente qui est parue du CEVIPOF, qui est parue dans Le Monde il y a la semaine dernière, je crois, qui montre que la très grande majorité des ouvriers, des employés, ne font plus confiance à la politique pour changer leur vie. Et quand on regarde à qui faites-vous confiance, vous savez, alors il y a tout, votre maire, votre député, etc., etc., les partis politiques arrivent en dernier de la liste, à 12% de taux de confiance. Ben là, c'est la même question. C'est la même question. Alors, moi, je ne souhaite pas qu'ils ne fassent pas confiance à l'UMP, ou etc., etc. Mais je pense que cette question, elle nous est posée à nous aussi. C'est-à-dire, comment on fait pour que la majorité de ceux qu'on est censé représenter et viser pour changer la société, pour eux, se reconnaissent et s'investissent dans ce que l'on fait. Et ça, il n'y a pas de raccourci, il faut se remettre au travail sur le travail et sur les rapports sociaux de travail, sur ce qu'ils sont devenus, et travailler des alternatives pour ça. Alors vous me direz, les syndicats, mais c'est tout le problème. C'est que je trouve... c'est pas le lieu ici de reparler de l'histoire des rapports CGT-Parti. Mais je trouve que, d'une certaine façon, on a eu tendance, le politique a eu tendance à déléguer sur le syndicat ceux qui relevaient de l'entreprise et des rapports sociaux de travail.
Le syndicat, il doit faire son boulot mieux qu'il ne le fait. Et même sur ces questions-là, nous, la CGT, on se dit, on a lâché prise parce qu'on a été pris par le chômage de masse. Ça fait 40 ans maintenant qu'on est dans une situation de chômage de masse. Et donc, on a été complètement pris, absorbé par la problématique emploi dont je viens de vous parler, les contrats de travail, les plans sociaux, les restructurations, etc. Et du coup, on a délaissé la question du travail, alors que dans les années 70-80, moi, quand j'ai commencé à travailler, la CGT portait des idées sur changer le travail, transformer le travail, etc., qu'on a délaissé et qu'il faut qu'on reprenne dans les conditions d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a un problème, si vous voulez. Hein. Mais, en même temps, le syndicat ne peut pas suffire à tout. Il faut aborder politiquement les questions du travail. Il faut donner des réponses politiques. Il faut donner d'abord une analyse politique sur les rapports de travail et une vision politique de la façon de les changer. Et je suis convaincue que c'est aussi comme ça qu'on pourra retrouver des bases dans les entreprises, du militantisme dans les entreprises, des gens qui s'intéresseront à ce que l'on peut faire. Mais alors, et je vais en terminer par là, ça suppose de se poser clairement une question, c'est qu'est-ce que c'est que la politique ? Alors ça, c'est une question qui nous traverse depuis des lustres. Hein. Je relisais récemment, la CGT vient de publier une petite anthologie des textes syndicaux fondamentaux. Et donc, en lisant ça, il y a eu un manifeste des ouvriers après la révolution de 1848 qui disait très clairement qu'ils allaient complètement se faire avoir par le suffrage universel et que leurs intérêts de classe allaient disparaître derrière le suffrage universel où tout le monde vote, la bourgeoisie, etc., etc. Alors, je ne pense pas ça aujourd'hui. Je suis pour le suffrage universel et pour que le maximum puisse voter. Les femmes, depuis la libération, c'était déjà bien tard. Et aujourd'hui, les travailleurs étrangers dans les conditions que l'on sait. Je pense que la démocratie est une conquête permanente, progressive, et donc on aura sans doute d'autres propositions dans 15 ans, dans 20 ans, etc., etc. Cela étant, on ne peut pas ignorer la question. Est-ce que, si on en reste au seul vote, une fois tous les 5 ans, il n'y a pas tendance à délaisser la problématique du travail? Est-ce que la seule perspective qu'on donne aux travailleurs, par exemple aujourd'hui, quand vous avez les situations de travail que vient de décrire Daniel, franchement, est-ce que vous croyez qu'en disant il faut voter franc de gauche au municipal en 2014, vous répondez à la question? Vous savez bien que non. D'ailleurs, vous oseriez même pas le faire. Même pas le faire. Hein. Donc il faut bien qu'on ait des réponses politiques par rapport aux situations qui se passent aujourd'hui, ce qui en même temps n'interdit pas, bien au contraire, c'est complémentaire, de travailler les échéances électorales, municipales, législatives et bien sûr présidentielles. Mais quand même, en ne se voilant pas la face, en dehors des présidentielles, toutes les élections politiques de ces dernières années montrent une abstention massive des catégories ouvriers, employés dont je vous parle. Une abstention massive, ils ne se reconnaissent plus là-dedans. Donc on peut avoir un suffrage universel, il devient théorique, il devient en fait censitaire. Autrefois, il fallait payer des impôts pour voter, aujourd'hui on ne nous le dit plus comme ça, mais dans les faits, ce sont les catégories les plus aisées, les plus intellectuelles, les plus intégrées qui votent. Et les autres ne participent pas au vote. Je pense que c'est une grande question politique. Et cette question politique, elle rejoint la question du travail, puisqu'on identifie en rapport avec les situations de travail les gens qui s'abstiennent massivement et qui donc ne se reconnaissent pas dans la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc il faut avoir... je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on en discute, et c'est pourquoi je suis contente de ce débat, et il y en aura sans doute d'autres. Le dernier point, il ne faut pas sous-estimer le débat que cela pose sur la question le parti lui-même. Je ne vais pas donner une réponse parce que j'en ai pas. Mais par contre, je pense qu'il faut se la poser. Mais je crois que le parti, enfin, les communistes, se la posent.
C'est-à-dire, à quoi sert la forme partie? On est dans une société où, depuis des lustres, et à notre corps défendant, on est entraîné dans une forme partie présidentielle, hein, présidentialisme, parti électoral. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à la forme parti en rapport avec parti ou autre chose, hein, c'est à discuter, mais en rapport avec cette question, transformer les rapports de travail, d'abord les rapports de travail, pour transformer la société, parce qu'on ne transformera pas la société, comment dire, il n'y aura pas d'abord le pouvoir politique, et après le changement des rapports de travail, il y aura un processus qui alliera transformation des rapports de travail, transformation politique, transformation des rapports de travail, transformation politique, etc. Moi, c'est ma conviction. La forme parti, à quoi sert le parti, quels sont ses objectifs, sur quoi il se construit, comment il mène son action, se pose aussi par rapport à ça. Je vous remercie de m'avoir abordé. Alors, de ce point de vue-là, c'est une question qu'on m'a posée. Mais c'est quoi l'enjeu de travailler autrement pour un sidérurgiste de Florange? Est-ce que ça va lui permettre de peser sur les choix politiques concernant l'avenir? À cette question-là, je répondrai que, comme l'a montré Daniel dans sa description du travail, la question de la politique, c'est-à-dire d'un autre mode de développement, respectant les travailleurs, respectant les besoins sociaux, respectant l'environnement, tout ça se joue dans les arbitrages quotidiens que sont amenés à faire les salariés entre les prescriptions que leur donne leur hiérarchie, la nécessité de répondre aux besoins de l'usager, on l'a vu avec l'infirmière qui disait qu'elle ne pouvait plus répondre à l'accompagnement de la mort, des richesses aujourd'hui, quelle évaluation du travail? C'est aujourd'hui, on nous demande, est-ce qu'on peut évaluer le travail? On fait des entretiens d'évaluation. Faut-il essayer d'évaluer un travail qui, en fait, suppose aujourd'hui une coopération et un travail collectif? Ne faut-il pas refuser l'évaluation, l'entretien individuel et l'évaluation individuelle du travailleur pour demander une évaluation de l'organisation du travail? Bon, dans ces trois minutes, je voudrais d'abord, comme ça a été fait, souligner l'intérêt de l'enquête publiée par l'Humanité et qu'a évoqué Marie-Dumas tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire à partir de là, c'est que ça, nous savons bien, bon, il s'agit pour nous de travailler au rassemblement de dizaines de millions de femmes et d'hommes ayant intérêt à se libérer des rapports d'exploitation et de domination. C'est une idée qui, je crois, nous est familière. Précédemment acquise, mais avec la nécessité d'une mobilité volontaire, ascensionnelle, et permettant de développer, l'humanité de chaque être humain, y compris dans son travail. Soit la conscience de classe, puisque c'est le titre de la soirée, soit la plus appropriée au rassemblement auquel nous voulons contribuer. Construire une conscience de classe, à mon avis, se rattache trop dans cette expression à des situations passées. Cela concernait la classe ouvrière, ensemble beaucoup plus homogène dans le passé qu'aujourd'hui, encore que la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été. Mais comme il y a 10 ans, Henri Krasucki disparaissait et que sa biographie a été publiée à la rentrée, je voudrais reprendre un élément de ce qu'a dit Maryse sur notre histoire à partir de ce qu'a écrit Henri Krasucki à des périodes différentes. J'ai été très marqué par le dernier rapport d'activité présenté par Krasu au congrès de la CGT, qui mettait comme une rupture dans l'activité de la CGT autour du programme commun et de tout ce qui a été, tout ce qui a débordé, hein, tout ce qui a été modifié à partir de cet objectif de la victoire de l'Union de la gauche. Je voudrais mettre ça en rapport
avec la différence qu'il y a sur l'appréhension du travail dans le mouvement, pour être, faire un peu reprendre la matrice commune, entre les années 70-80, le démarrage de la crise, mais aussi une modification profonde du travail, est-ce que la CGT était capable de produire 10 ou 20 ans avant? Il y a un rapport, enfin, chaque année, enfin, à chaque congrès de la CGT, pendant très longtemps, Henri présentait un rapport qui était soi-disant sur la question économique, mais qui débordait bien les questions économiques, c'était sur les questions revendicatives. Au tout début des années 60, Henri fait un long développement sur le fait que dans l'industrie automobile, les nouvelles chaînes qui sont mises en place sont intenables, y compris pour les camarades aguerris qu'on a fait embaucher volontairement dans ces usines. Donc il y avait bien à cette époque-là une préoccupation de ce qui se passait dans le travail, qui a disparu par la suite, remise en quelque sorte à plus tard. Hein, après la victoire, forcément, ça irait mieux. Ce qui est un défaut chez nous, hein, dans notre mouvement, de considérer que le grand soir résoudait un certain nombre de questions, ou dans les pays se réclamant du socialisme, les finalités du travail étant différentes, on a arrêté de réfléchir au contenu du travail lui-même. L'Union soviétique n'a pas inventé une forme différente de travail. Au contraire, l'orientation scientifique du travail a été souvent mise en avant comme un modèle à employer, à respecter, à approfondir. Donc on a bien une question, nous, un problème qui est daté historiquement sur la question du travail lui-même. Parce que je crois que autant on a été dans notre histoire et notre formation, y compris pour notre génération, très au clair sur le travail en tant que producteur de valeur. Ça, c'est une question hein, qu'on a tous appris dans les écoles quand on a adhéré à la JC ou au parti. On est assez au clair sur le travail producteur de valeur d'usage, mais il y a un aspect qui est passé à la trappe, c'est le travail comme producteur de nous-mêmes, de notre subjectivité, puisque Daniel a employé tout à l'heure l'expression de précarité subjective. Et cet élément-là, il est constamment mis écarté. Alors, il y a des questions qui sont liées à l'organisation du travail, et d'autres, mais pas seulement. Il faut entendre l'organisation du travail aussi comme la définition des tâches de chacun, du mode de coopération entre salariés du même niveau, et comme mode de relation avec la hiérarchie. Et ça me semble être des objets politiques, parce que c'est là qu'on apprend soit à accepter la domination, soit à résister. La résistance, quand elle s'ancre dans des pratiques quotidiennes, hein, sans reprendre la formule quand une idée s'empare des masses, oui. Cette résistance quotidienne, elle aurait une force politique qu'on a du mal à imaginer nous-mêmes aujourd'hui. Merci. Donc là, je vais poser le micro, vous vous présentez. Bonjour à tous, alors. Je m'appelle Renaud, je suis militant communiste sur l'agglomération de Melun. Et donc moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le titre de la conférence, parce que je pense que c'est vraiment lié au thème, et c'est pas pour rien qu'on a lié tous ces mots, sur la conscience de classe. Et justement, moi, j'ai vu aussi dans l'humanité le sondage qui est paru, et ça m'a pas, moi, ça m'a pas réjoui plus que ça de savoir qu'il y avait des gens qui se sentaient appartenant à une classe, puisque il faut savoir aussi ce qu'on cache, à mon avis, derrière le mot... Le terme de classe, excusez-moi. Et justement, en fait, on a eu un débat dans la conférence de section pour la réforme. Moi, j'étais délégué, on était préparé le congrès. Et en fait, quand on a parlé de ça, il revenait plusieurs mots. À la fois, il revenait la distinction patron et salarié, mais aussi la distinction riche et pauvre. Et c'est pas du tout la même chose, à mon avis, puisque quand on parle justement d'une classe, quand on oppose ceux qui détiennent nos productions et qui font travailler les autres et ceux qui ne détiennent pas, on parle bien du travail. Alors que justement, quand on parle des riches et des pauvres, on ne parle pas du travail, on parle uniquement des revenus des gens. Et je pense que ça, il faut pas. Enfin voilà, c'est très important, justement, si on veut pouvoir. Enfin, à mon avis, c'est pour ça que la conscience de classe, elle doit être. Enfin, c'est ça qui me dérange en fait en termes de nouvelle conscience de classe, parce que pour moi, la conscience de classe, elle n'a pas évolué. Et justement, il faut ramener ça, la propriété de production, au cœur du débat, pour ramener. Et pour quand on parle de classe, ça ramène au travail. Ça, je pense que... Alors, à droite, hein, devant, oui. Et ensuite, Patrice Coensi, là-bas, au fond. Oui, je suis militant communiste, la section du 20e, maintenant. Bon, sur cette question du travail,
Moi, je voudrais l'entendre sous l'angle d'une véritable révolution qui a existé depuis 40 ans, à mon avis, à savoir qu'il y a eu toute une génération dont je suis, qui a été formée par des batailles physiques. Les nouvelles générations, je vois pour ce qui me concerne, j'ai deux enfants qui ont une trentaine d'années, ils travaillent dans des situations, dans des contextes où pour eux, la convention collective du travail, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont dans des petites unités éparpillées, qu'ils soient ingénieurs de haut niveau ou qu'ils soient employés, ce qui est le cas pour des enfants, ils ont une éducation très, très décalée. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il y a eu des cassures entre les générations qui fait, et des cassures qui se sont vérifiées aussi dans les contrats de travail. Il y a eu, je me souviens toujours, cette approche quand les structures de la communication, on a vu arriver les informaticiens, chacun sa petite entreprise, et les services rendus, etc. Donc il y a eu une transformation, et je m'arrête, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on doit vraiment faire le bilan sur le réel. Et ce réel, évidemment, on ne pêche pas la théorie, mais si on l'oublie, et si on n'en parle pas avec ceux qui le vivent, je pense qu'on va rester un peu entre nous. Il faut faire très attention, hein, à tout ça. Voilà. Merci. Marx disait que la lutte de classe, c'est l'effort permanent de la bourgeoisie pour diviser les salariés et l'effort permanent des salariés du prolétariat pour s'unifier politiquement. Et c'est vrai que depuis 40 ans, on a eu énormément de facteurs de division. En chanson, peut-être. Donc, stratégie managériale, stratégie économique, on peut dire, politique, symbolique. Mais une des questions qu'il faut se poser, à mon avis, c'est pourquoi c'est devenu possible, ces divisions du salariat, depuis la fameuse quarantaine d'années. On voit bien qu'au cours du 19e, 20e siècle, il y a eu la montée de ce qu'on peut appeler une conscience de classe et une capacité de la classe ouvrière à s'organiser, à produire de l'idéologie, des organisations, à lutter et à gagner, et que, à partir des années 60, on peut dire, au milieu du siècle dernier, il y a eu un affaiblissement de cette conscience et, avec elle, un affaiblissement de la capacité à s'organiser, à lutter et à gagner. Et donc, la question que je voudrais poser, moi, c'est celle des raisons pour lesquelles cet affaiblissement est intervenu. Et pour cela, je voudrais faire un petit détour, parce qu'il y a des questions idéologiques, des questions de stratégie patronale, etc. Mais comment c'est possible? Y a-t-il aucune base matérielle à tout cela? Nous qui sommes un peu matérialistes, on aurait plutôt tendance à aller les rechercher. Et je voudrais, en une seconde, faire un retour sur la classe paysanne. Au XVIIe siècle, par exemple, la paysannerie était les 99%, comme on dit maintenant à Wall Street ou chez les indignés, les 99%. C'était l'immense majorité. Et pourtant, cette paysannerie n'a pas réussi à s'organiser en classe capable de produire, je disais, de l'idéologie, de l'organisation, des luttes victorieuses. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'elle était dans des conditions historiques, des rapports de production, une organisation sociale, une société qui rendait très difficile pour elle qu'elle prenne conscience de sa force potentielle, qu'elle se dote d'objectifs et de moyens pour parvenir à lutter. Et donc, je reviens à notre époque et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher dans la réalité ce qui crée aujourd'hui l'incapacité des salariés, ou la difficulté, disons, des salariés à lutter? J'en prendrai un seul exemple pour terminer. Merci, Nicolas Bonnet. C'est adhérent du PC du 12e. Je reviens sur ce qu'a dit Daniel Lénard, sur un premier point qui me paraît intéressant, c'était le conflit qu'il y a entre le point de vue des professionnels sur leur travail et le point de vue des patrons. Et conflictualiser ça, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue idéologique. Et pour nous, de revenir sur les mots qui sont utilisés. Tu l'as dit aussi, sur le contenu des mots qui sont employés et sur l'évolution dans le domaine du travail. Ça m'a fait penser à une conférence gesticulée que j'ai vue de Franck Lepage sur l'éducation populaire, et qui disait que quand on a étudié donc,
ces deux sociologues, je crois que c'est Baudelot, qui a étudié les manuels de management et qui essaye de revoir quels sont les mots qui ressortaient le plus il y a 50 ans et qui ressortent le plus aujourd'hui, l'évolution de ces mots. Auparavant, c'était la hiérarchie dans le langage. Donc, c'était directement un conflit entre la hiérarchie et les ouvriers ou les employés. Aujourd'hui, ce qui ressort le plus comme mot, c'est très compliqué à combattre, il dit Franck Lepage, parce qu'on n'imaginerait pas que c'est ce mot, c'est le mot projet. Alors quand vous regardez après dans les nouveaux postes, profils de poste, etc., vous avez des chargés de projet, des chargés de mission. Voilà. Et donc l'idée c'est d'inclure l'individu dans le projet justement du patron et ne plus être dans une hiérarchie. Donc nous on a, en tant que communistes, on a une vraie bataille à mener. Idéologique sur les mots qui sont employés, sur le rapport, et de les identifier, et de discuter justement avec les salariés sur les mots qui sont mis derrière ça. Donc c'est la première chose, et je pense que dans ce congrès, c'est porté par la base commune, la question de la bataille idéologique, la bataille des idées, et d'identifier les mots, c'est central un peu dans le texte. Donc je crois qu'il faut qu'on s'attache à ça. Deuxième chose qui a été dit dans le débat que je trouve intéressant, c'est le sens que l'on donne au travail aujourd'hui. Moi, je me rappelle de la campagne des présidentielles, sous Sarkozy, qui avait fait la valeur travail. Voilà. On était passé à côté de ça, à mon avis, et on était passé à côté du sens que les gens donnaient leur travail et la perte de sens. Je pense qu'il faut qu'aussi on travaille sur ce que l'on produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés et d'employés ont l'impression de rien produire, quoi, de ne pas produire, d'être au travail. Voilà. Donc produire, ça veut dire qu'ils sont capables de matérialiser, comme un jardinier qui dit, ben voilà, moi, quotidiennement, ce que je fais, ça produit ça, et c'est pour le bien de tous, et c'est pour le bien collectif. Donc je pense que dans la conflictualité, et donc de rapport de classe, il faut que la notion de production par le travail soit bien identifiée. Ça me ramène à une autre chose, le temps de travail. C'est-à-dire que l'émancipation, à la fois dans le travail, c'est parce que l'on produit, par l'épanouissement que l'on a, mais c'est aussi par le temps gagné et libéré. Et les grandes conquêtes sociales et les grands progrès sociaux, ça a été dans la conquête du temps libéré. Et de tout ce qui se joue après dans le temps libéré en termes d'émancipation, c'est le loisir. Alors bon, moi, je vais terminer. Je suis dans le sport. La question de la conquête du sport, donc de la maîtrise de son corps, puisque la domination dans le travail passe par la domination du corps. Donc la libération du corps, elle se joue aussi dans le temps libéré. Donc c'est un enjeu fondamental. Et c'est un enjeu fondamental pour l'homme et aussi pour la femme. Développant, on pourra développer pendant la conférence. Dernier point, sur la compétence et les métiers. Ça renvoie fondamentalement aux questions de formation. Et on ne peut pas aujourd'hui, moi je vous donne deux exemples, dans mes rencontres de cette semaine avec des gens qui travaillent dans le sport, c'est mon métier, les deux personnes que j'ai en face de moi qui commençaient leur boulot, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu faisais avant? L'un qui travaille pour ce qu'on appelle les think tanks européens, qui va aller voir les députés européens pour leur dire, voilà, quel loi on va faire sur le sport. Son métier avant, c'était VRP en pharmacie. Un autre qui est conseiller d'un élu, un éminent élu sur le sport, son métier avant, c'était rapport avec les parlementaires, c'était un technocrate. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème entre le lien entre la formation et le métier, et de plus en plus des métiers qui sont tournés, enfin des formations qui sont tournées vers le business. Merci. Henri Malbert. Je trouve très important l'établissement de la conscience de classe. Elle a évidemment un aspect d'évolution, mais elle a un aspect idéologique fondamental. Depuis l'écroulement de l'URSS, tout ce qui est le fond a reculé. Et pendant 30 ans, le capital n'a pas seulement accru son pouvoir, il a accru sa crédibilité. Donc il y a là-dedans une part de question politique. Je trouve bien qu'on reparle du travail en termes de classe, qu'on ne dise pas seulement aux travailleurs, aux ouvriers, vous êtes mal payés, mais vous êtes une des classes qui produisent les richesses. Vous êtes une partie de ce monde. Ils ont le sentiment d'être de la merde. Il faut leur parler comme des adultes. Il faut dire aux employés, quelle est votre place? C'est-à-dire, je suis sûr que pour une part, nous avons la clé des choses. Déjà, mais il faut s'y atteler. Deuxième question et dernière. Puisque je parle des travailleurs, moi j'ai aussi envie de parler dans des termes de classe à une partie du patronat. En leur disant, vous êtes des employés de luxe,
des banques et des milieux financiers. Vous savez bien qu'il y a des différences de classe entre vous. Vous avez quelque part le même intérêt à changer de société. Mais il faut dire à tout le monde ce qu'il est, et pas seulement lui parler de mieux vivre. Il faut lui parler d'être le pouvoir. Et voilà. Merci. Jeffrey Bodenhausen, enseignant-chercheur et nouvel adhérent. Enfin, je rejoins le parti juste après la fête de l'humain. Après avoir milité il y a une bonne trentaine d'années dans le parti anglais, que j'ai quitté pour les raisons de métier, et puis l'une des raisons, l'une des questions qui a été posée ce soir, c'est la raison d'être d'un parti comme le nôtre. Et puis ma réponse à ça, c'est très simplement pour accueillir des gens comme moi. C'est-à-dire pour pouvoir débattre ensemble, s'écouter les uns les autres, regarder le petit film et les deux interventions remarquables et les interventions de tous ses camarades. Je trouve que ça a un sens en soi. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est vrai que ça ne touche qu'une soixantaine de personnes sur les 60 millions qu'il y a en France, mais ça a un sens. C'est une forme de socialisation, une forme de construction de notre identité, une forme de construction tout court. Le travail dans la politique, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je m'identifie un peu avec ce juge qui est un peu obsédé, enfin qui aimait beaucoup son boulot, c'est aussi mon cas. Mais je crois qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas espérer que tout le monde soit épanoui à ce point. Mais je... Plus longtemps et aussi parlementaire, mais moins longtemps. Voilà, moi je suis très intéressée par ce qu'on dit à la fois Daniel et Marlins. Et moi je crois que ça ouvre à une réflexion très importante sur le travail, la façon dont les politiques, et tout particulièrement le Parti communiste en l'occurrence le Parti communiste, puisque nous sommes ici, s'intéresse au travail. Mais ça élargit, enfin, ça ouvre aussi à bien d'autres, enfin, d'autres questions, quoi, qui sont liées. Et je vais simplement m'arrêter sur ce qu'a dit Maryse, sur on s'occupe de l'emploi, et beaucoup de l'emploi, c'est évident, et pas du travail. Elle a parfaitement raison, et il faut aussi voir que, comme 8% de la population est en situation de chômage, la question de l'emploi, évidemment, prend, et ça fait des années, hein, donc ça prend le dessus. Mais je vais faire un parallèle qui n'est pas fortuit, parce que je m'intéresse beaucoup aux institutions, à la question du pouvoir. Alors, on parle beaucoup de démocratie, donc la démocratie est un motif de la politique du Parti communiste, et c'est très bien, je ne vais pas dire le contraire. En même temps, il faut bien voir que tout en le temps qu'on parle de démocratie, ça fait maintenant un certain temps quand même, la personnalisation, la présidentialisation de tous les pouvoirs, ne fait que s'accentuer, ce qui va à l'inverse de la démocratie. Voilà. Et en plus, on voit que c'est vrai dans les institutions, c'est vrai partout, c'est vrai dans les rapports entre dans le film de Marcel, il y avait le gars qui dit avant le patron on le connaissait, maintenant il est ailleurs, ce sont les actionnaires, ce sont les délégués des actionnaires, en fait tout ce que vous savez. Mais on peut dire que là aussi, il y a une concentration à un certain niveau, peut-être invisible, mais si on peut faire la parallèle avec la politique, c'est pour ça que les gens se désintéressent de la politique, avec le... voilà. C'est aussi, cette question est absolument nécessaire, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à agiter les concepts qui ont une connotation ancienne, qui est toujours valable, bien évidemment, hein, je ne veux pas dire que le contraire, mais quand on voit que petit à petit elle se vide de contenu, elle est dévoyée et elle échappe finalement au pouvoir des gens, des citoyens, qu'ils soient dans la cité ou dans l'entreprise, alors que la question des pouvoirs finalement est une espèce de échappe. Voilà, on a beau agiter les concepts de démocratie, le pouvoir échappe de plus en plus aux citoyens, aux salariés, c'est la même chose, hein, les citoyens et les salariés, c'est la même chose. On a parlé du travail et de nouvelles conditions de classe, mais il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est le mot exploitation. Et lorsqu'il y a eu des fautes conscience, qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la conscience de classe ou est-ce que c'est la conscience de l'exploitation? Parce que c'est une question... autrefois, quand il y avait le maître de
forges qui étaient dans son château, et la constante de l'exploitation, elle était relativement simple. Aujourd'hui, là, on voit bien dans le débat, y compris sur les impôts, quand on parle de tranches à 75%, on trouve des gens autour de nous qui disent, mais oui, effectivement, 75, c'est quand même exagéré, ça fait les trois quarts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas conscience que ces richesses gigantesques, qui sont quand même affichées, sont produits d'exploitation. Il y a l'idée, et il y a eu quand même un travail par rapport au 19e et début du 20e siècle, où la classe ouvrière était une classe reléguée, donc qui n'était pas intégrée, donc qui a construit une idéologie pour s'émanciper. On n'est plus dans cette situation-là, parce qu'il y a toute l'idéologie pour toutes les catégories sociales pour masquer cette réalité de l'exploitation. Et lorsque les traders ils font un jeu d'écriture, un jeu d'informatique, ils dégagent des profits considérables, est-ce que les gens ont conscience que c'est un prélèvement qu'ils font sur leur travail? Ils n'en ont pas conscience, ils croient que c'est de la magie. Alors que c'est un prélèvement, c'est des nouveaux. La financiarisation a mis en œuvre toute une série de procédés d'exploitation qui masquent l'exploitation. À partir de là, la conscience de la classe est forcément entravée dans sa construction. S'il n'y a pas exploitation, il y a un problème, je crois. Donc la question de l'exploitation, mais aussi, et de sa visibilité, est une question essentielle. Merci beaucoup. Donc, Pierre. Oui, moi, je voulais faire quelques réflexions, et une sur surtout sur l'enjeu politique de cette question du travail sur lequel le système arrive. Et pour partir du sondage de l'Humanité qu'elle a évoqué, cet écart entre plus de gens qui ont. Qui croient à la lutte des classes et moins de gens qui savent où ils sont là-dedans. Bon, moi, je pense que c'est un des grands paradoxes de la situation actuelle. Et nous sommes dans une situation en permanence très paradoxale parce que les conditions objectives d'un changement très profond grandissent. Et le nombre de gens qui se posent cette question d'un changement très profond de la société et très profond de leur travail grandissent. Et en même temps, les conditions objectives, les obstacles objectifs à ce que ça se produise grandissent aussi. Parce que le capitalisme s'est réorganisé, parce qu'il s'est mondialisé, parce que les pratiques managériales qu'a décrites Daniel ont envahi le monde du travail et divisent les gens, etc. Donc les gens sont pris dans cette énorme contradiction. Et au plan politique, ça se traduit quand même, quand on prend un peu de recul, par des choses très chaotiques. C'est vrai en France, mais c'est pas vraiment en France. Sur une séquence très courte, on a en même temps en France, 2005, le non au traité constitutionnel européen, avec un très grand débat politique. 2 ans après, la victoire de Sarkozy. 2 ans après, on a le mouvement des retraites. Ensuite, on a la bataille avec Hollande, et aujourd'hui, une situation qui est à nouveau très compliquée politiquement, et dont on ne sait pas ce qu'elle va donner, selon qu'on soit capable de lever un mouvement conscient pour le changement, ou alors est-ce que l'impuissance va l'emporter. Donc on a une situation où, à cause de ce paradoxe, le mouvement en faveur du changement est presque en permanence, et souvent chez les mêmes gens, aussi puissant que le sentiment d'impuissance. Donc ça crée une situation très, très compliquée. Comment on fait pour changer ça? Quel levier on a pour créer un mouvement dans la durée fédérateur qui relie les gens à la possibilité d'un changement collectif et qui soit un changement de la société? Et là, moi, je pense qu'effectivement, la question du travail est centrale. Parce qu'elle pose, et encore plus avec l'immense crise du capitalisme actuel, elle pose toutes les questions. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les logiques capitalistes telles qu'elles se développent deviennent une manière de fonctionner qui les rend de plus en plus étrangères à l'intérêt général et qui produisent de moins en moins de choses pour l'intérêt général. Et donc les gens sont écartelés parce que plus ils travaillent, et plus ils travaillent collectivement, et moins ils ont l'impression de
eux d'en tirer un bénéfice personnel, mais même de servir la société. Et donc, on a d'énormes batailles pour relier les choses aux autres. Par exemple, il y a un enjeu écologique énorme, et les gens ont l'impression de très mal produire. Et c'est vrai. Et ils produisent très mal. Et on ne se pose pas les questions qu'on devrait se produire. L'obsolescence des produits est un grand problème écologique. Or, on fait le contraire dans la production tous les jours. On oblige les gens à faire le contraire dans la production tous les jours. Donc les gens se posent énormément de questions sur leur travail. Et je pense qu'il y a effectivement une reconquête de pouvoir sur le travail qui devient une énorme question de société. Parce que c'est pas seulement le sens de son travail, on sent bien que c'est le sens de l'activité humaine dans ce système qui est questionné. Et donc c'est une question qui est à la fois très personnelle pour beaucoup de gens et très collective. Et je pense que c'est effectivement un enjeu. Ça peut être un levier, comme le disait quelqu'un, un camarade là-bas, ça peut être un levier extrêmement puissant et que probablement nous sous-estimons, alors que nous sommes face à des obstacles. On cherche des clés pour lever ces obstacles. Deux dernières remarques très brèves. C'est la première, c'est que on dit pour mener ces batailles-là, effectivement, il y a plein d'entrées possibles sur les métiers, sur les collectifs de travail, sur le sens du travail, je viens de le dire, sur d'autres choses. Et je pense peut-être un niveau qu'il faut signaler, mais ça paraît évident, c'est l'entreprise elle-même. C'est quoi l'entreprise ? Et effectivement, est-ce que l'entreprise... avant l'entreprise, encore les patrons des entreprises étaient les gens qui étaient les industriels qui dirigeaient ces entreprises. Mais aujourd'hui, ça n'est même plus vrai. D'ailleurs, moi, ça me frappe, je le dis souvent, on va dans des entreprises, on discute avec des salariés qui sont dans des conflits, etc. On leur dit, mais qui, au fait, qui sont les actionnaires ? Et des fois, on se trouve face à des salariés qui disent « Je ne sais pas exactement. Nous ne savons pas exactement. » Il dit « Je pense, d'après ce qu'on voit, parce que nous, on a affaire au directeur de l'entreprise, je pense que c'est un fonds de pension néerlandais, mais peut-être danois aussi, me dit-il, dans une entreprise où j'avais été. Pas une PME de 50 salariés, dans une entreprise importante. Hein. » Donc. Il faut mener l'entreprise, à qui appartient l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, etc. C'est aussi une bataille sûrement qu'il faut mener et qui peut être un levier. Et dernière chose que je veux dire sur ce qu'a dit Marie sur la politique et sur le parti. Et au fond, pour moi, le lien, c'est effectivement la question du pouvoir. Et là, on a beaucoup de choses à reconquérir. Parce que moi j'ai intitulé mon bouquin en septembre « Maintenant prenez le pouvoir volontairement » pour dire une chose qu'on disait pourtant dans la présidentielle, c'est-à-dire ça va commencer le lendemain des élections. Bon, mais on sait bien que l'écrasante majorité des gens pensent exactement le contraire, y compris ceux qui votent pour nous, d'ailleurs soit dit entre nous, et c'est accentué par la présidentialisation, puisqu'il y en a 4 millions qui votent pour le Front de Gauche. On leur dit que c'est les législatives, l'élection la plus importante, et il y en a 2 millions qui vont voter aux législatives. Donc nous-mêmes, on en a laissé sur le carreau 2 millions en un mois de temps, et toutes les lois, par exemple le débat sur la sécurisation professionnelle, on les aborde en position de faiblesse maximum au Parlement, parce que 2 millions de gens qui ont voté pour nous à la présidentielle, donc il y a du chemin à faire pour effectivement... considérer que l'objet de la politique, c'est la reconquête des pouvoirs et pas l'élection de tel ou tel représentant, fût-il. D'ailleurs, même ce serait un président du Front de Gauche, soit dit entre nous, le problème se poserait pas exactement de la même manière quand même, mais il se poserait quand même. Et là, il y a effectivement beaucoup. Et on voit bien que même dans une année, puisqu'on attaque l'année 2013, une année sans élection, une année qui est une année clé sur la... Parce qu'elle va en fait engager ou le quinquennat dans le sens d'une mobilisation où on va avoir une année où ce qui va dominer, c'est l'intégration d'une certaine résignation et on sera en difficulté. Et on a énormément de mal à mettre le niveau de la mobilisation. On sent qu'il va falloir produire, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais il faut produire un effort politique considérable pour que les gens considèrent que ça se passe maintenant, que c'est très important maintenant, que c'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut intervenir et tout. Et même chez nous,
la préoccupation des échéances électorales de 2014 est déjà presque plus présente que ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Alors que, pour pouvoir même les aborder, moi, je n'oppose pas les choses, pas du tout, mais je pense que la question de la conquête du pouvoir, oui, là, moi, je m'arrête totalement, et c'est le fondement aussi de l'existence de partis comme les nôtres. Le moment électoral a de la valeur s'il est articulé à un mouvement permanent de prise de pouvoir sur les enjeux et les choix politiques. Sinon, on laisse les gens, et c'est d'autant plus vrai avec des institutions qui ont évolué dans le sens, non pas de la diffusion des pouvoirs, mais dans le sens de la confiscation et de la concentration des pouvoirs. Donc, si on veut affronter ces questions-là, évidemment, le travail auquel les gens consacrent tant, et tant d'énergie et tant d'intelligence, devient un enjeu de première importance pour organiser la reconquête des gens sur leur vie et sur la vie en général, la vie de tous, sur notre vie collective. Je suis retraitée du CNRS, j'étais physicienne, et je dirais les autres, quoi. Enfin, l'indifférence et puis la façon qu'ils avaient de marcher les uns vers les autres, c'est-à-dire que les entreprises vous vendent de l'intérêt général et le service public s'est mis au management de façon galopante. Alors moi, j'étais un petit peu atterrée de voir comment mon CNRS, je dis mon CNRS parce que c'est quelque chose, c'était un service public qui était géré par un parlement, c'est-à-dire par les chercheurs eux-mêmes, avec les élus. Et comme on est aussi responsable par rapport à la vie économique, il y avait aussi des représentants industriels qui n'étaient pas les plus cons dans les commissions et qui jouaient leur rôle. C'est-à-dire un peu sur qu'est-ce que c'est que le développement. Et au cours des années, je me suis rendu compte du changement de vocabulaire. C'est-à-dire que, moi, ce que j'adorais au CNRS, c'était sa pluridisciplinarité. C'était la Samaritaine. On trouvait tout. Ça allait de l'étude des serpents. On va dire le boson de Higgs, puisque c'est son enfant tout récent. Mais donc, on trouvait tout. Et alors, ce qui était magnifique, c'est qu'on était plein de syndiqués, à tel point, il y avait les commissions, il y avait les élus, donc les syndiqués. Vous étiez jeunes, parce qu'on rentrait jeunes au CNRS à l'époque, et vous receviez une lettre du responsable de la section qui vous disait « Bienvenue, etc. » Donc on se syndiquait tout de suite. Et c'était quelque chose qui marchait bien. Donc le vocabulaire a changé. On est passé de l'exploration des contrées à l'exploitation. Sur le tard, quand je suis partie, je me suis rendu compte que tous les postes avaient baissé, sauf ceux qui avaient trait à la communication. Donc, les mots sont absolument indispensables. Et moi, je trouve que, personnellement, par rapport à l'époque que nous vivons, en tant que physicienne, je suis ravie de ce qui s'est passé en 2012. Parce que c'est la preuve que c'est en ne bougeant pas de la peau, en restant dans le même sillon, c'est-à-dire en travaillant avec son métier, qu'on a 3 prix Nobel, c'est en travaillant sur une communauté internationale qu'on trouve le boson de Higgs, qui n'a coûté que 2 Kerviel, ce qui est bagatelle. Donc, par contre, moi j'aimerais bien qu'on parle de informatique et classe sociale,
chambre, dans son travail, à la Proust, et devant lequel on suicide, je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir. Merci. Alors, devant, après, ici. Jean-Pierre Israël, du 3e arrondissement. Oui, je voulais juste poser la question. C'est que, à mon sens, c'est la bataille idéologique qui est vraiment primordiale à l'heure actuelle. Et puisqu'on est dans le congrès du parti, je trouve qu'il faut absolument qu'on parle et qu'on définisse un peu le communisme. Parce que, et dans ce communisme, qu'on parle de la fin de l'exploitation. Parce que c'est un problème fondamental. Est-ce que oui ou non, on est pour l'abolition du travail salarié? Puisque c'est ça le rapport capital-travail. Et donc c'est ça qu'il faut abolir. Il faut faire prendre conscience précisément aux salariés que sans cette transformation révolutionnaire, il n'y aura pas d'émancipation possible. Donc, la bataille logique sur ce plan, il faut expliquer ce que c'est que l'exploitation. Et ça me paraît, bien sûr qu'elle a des formes tout à fait nouvelles et tout à fait efficaces à l'heure actuelle, mais il faut absolument en parler. C'est-à-dire que la théorie de l'extraction de la plus-value, ça me paraît quelque chose à divulguer de la vraiment d'une façon importante. Maintenant, il y a un autre problème qui me paraît central aussi, et j'arrêterai là, c'est la réduction du temps de travail. C'est quelque chose de fondamental si on n'arrive pas à voir que c'est précisément un des leviers qu'on peut utiliser pour lutter contre le capital. Pierre Rizzi, secrétaire de la section communiste de la RATP. D'abord, je voudrais remercier Daniel Linard parce que toute la description qu'elle a faite de l'évolution des méthodes de management, c'est très exactement ce qu'on vit chez nous, y compris les dernières innovations, entre guillemets, managériales. Par exemple, ce qu'elle a évoqué concernant les discours de séduction des jeunes, ou ce qu'elle a appelé la bienveillance. On voit chez nous, par exemple, une énorme attention de la direction d'entreprise depuis quelques temps, sans doute échaudée par ce qui s'est passé chez Orange ou au Technocentre de Renault ou ailleurs, sur la gestion des risques psychosociaux, comme on les appelle aujourd'hui, avec une volonté de décentraliser vers le management intermédiaire la responsabilité de cette gestion de risque et d'évacuer évidemment tout lien avec la question des stratégies d'entreprise. Bon, voilà, je voulais donner deux, trois idées qui ressortent aussi de notre expérience collective hein, de communiste de l'entreprise, organisée à l'entreprise, deux, trois idées sur la façon d'intervenir sur cette question. D'abord, il me semble important de dire aux salariés, si on veut contribuer à les unir, vous êtes les 90%. Ça me paraît une idée élémentaire. Évidemment, on ne va pas construire une conscience de classe seulement en disant ça, mais si on ne part pas de là, je crois qu'on ne va pas pouvoir développer d'autres arguments. Ensuite, sur les points d'entrée, il y en a plusieurs. Le premier, c'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. Il faut qu'on intervienne sur la question de la finalité des entreprises et qu'on soit capable, donc, de porter des critiques et des contre-propositions sur les stratégies d'entreprise. Parce que la question de fond qui est posée, c'est quand même de savoir si une entreprise, c'est quelque chose qui est là pour rapporter de l'argent à des actionnaires, ou si c'est un lieu de création de biens utiles à la société. Et derrière cette alternative, il y a déjà l'alternative de notre projet de société capitaliste et communiste. Deuxièmement, tout ce qui tourne autour de sens et utilité sociale du travail, la fierté, les identités professionnelles, je ne développe pas, mais ça me paraît important. Troisièmement, sur les méthodes managériales, il faut qu'on démonte, à mon avis, toute la novlangue managériale et toute l'idéologie qu'il y a derrière ces méthodes, et montrer là aussi quel est le projet de société sous-jacent qu'il y a derrière cette idéologie et ces méthodes. Et ça suppose aussi que là aussi, on soit force de proposition, de contre-proposition. Je crois que moi, il faut qu'on investisse, qu'on fasse un sujet politique des méthodes managériales, quoi. Qu'on soit capable d'avancer un certain nombre de choses là-dessus pour montrer qu'on peut organiser le travail et la place des hommes dans l'entreprise autrement, évidemment à partir d'une autre vision de l'entreprise et de la société. Et puis, dernier élément, c'est tout ce qui tourne autour, dernier point d'entrée, de la place du travail dans la vie des hommes et des femmes. Et là, il y a toutes les problématiques, je ne développe pas, de temps de travail, chômage, emploi, productivité, etc. Une dernière remarque. Si on veut intervenir sur la question du travail, si on veut en faire un sujet de bataille politique, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est au centre, finalement, du fonctionnement de la société, il faut qu'on se donne les moyens
organisationnelle de le faire, et donc est posée, à mon avis, en grand, la question de l'organisation du Parti communiste sur les lieux de travail. Je n'anticipe pas, mais il me semble que c'est un enjeu extrêmement important du combat à venir. Pas adhérente au Parti communiste, je suis venue par le travail et démocratie. Donc moi, je suis syndicaliste et très engagée sur les combats de travailleurs sans papier en particulier, et assez récemment sur, aussi sur les questions de nettoyage. Donc ce qu'on dit sur la mondialisation, enfin, moi je trouve que la mondialisation, elle est vraiment à portée de la main. C'est-à-dire que j'habite dans le 93, j'ai été pas mal sur des questions d'ateliers de confection à Aubervilliers. Donc là, il y a entre le sentier ou les galeries Lafayette et Aubervilliers, il y a deux niveaux hiérarchiques, et il y a des gens qui travaillent à 3,50 euros de l'heure, 54, enfin, dans des conditions à peu près au même coût qu'en Chine ou en Thaïlande. Donc je trouve que là, finalement, cette question de l'éloignement du pouvoir, c'est pas un éloignement, c'est un éloignement dans l'imaginaire, et c'est pas un éloignement réel. C'est-à-dire que, par exemple sur les nettoyages, quand on sur des luttes très précises, finalement, c'est des gens qui sont dans votre bureau, qui nettoient votre bureau, qui vivent dans des conditions relativement inimaginables et indescriptibles, parce que dès qu'on les décrit, plus personne ne veut en entendre parler. Et je pense que là, il y a un enjeu au niveau de l'articulation mouvement syndical, parti politique, de relais, comment est-ce qu'on voit, on accepte, on regarde en face. Parce que l'émancipation, finalement, elle n'est possible qu'à partir du moment où on a une perspective de revenus stable, prévisible, etc. Et que donc, je trouve qu'il y a un véritable enjeu aussi à sortir d'un discours seulement sur l'emploi et le travail, mais aussi à séparer recherche d'emploi et recherche de revenus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont occupés à temps plein, soit à chercher du travail, soit à travailler gratuitement, etc., mais qui n'auront pas de revenus. Donc, autour de ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et dernière chose que j'aurais voulu dire, c'était qu'il me semble qu'à un moment, il y a eu un défaut de transmission, c'est-à-dire que les questions politiques et syndicales sont des questions extrêmement techniques et pas du tout intuitives, et dont souvent, je trouve que dans les milieux militants, on a tendance à penser que tout le monde les connaît. Or, il y a un problème de formation, enfin, vraiment de formation de base, des gens qui, pour une raison X ou Y, qui en particulier parce qu'ils ont été dans des milieux de travail individualisés, qui n'ont pas des techniques politiques et qui mettent beaucoup de temps à pouvoir rentrer dans un collectif militant politique, pour, à mon avis, parce que justement cette individualisation du travail a été tellement bien réussie que personne n'imagine qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas encore les clés, qu'ils n'ont pas les techniques de combat politique ou syndical. Oui, moi je voulais parler tout d'abord de la politique du chiffre, en fait, dont on n'a pas trop parlé, mais qui me semble être important aujourd'hui dans les réorganisations du travail que l'on connaît. Moi j'avais un tout petit peu milité avec l'appel des appels, en fait. Et quand on discutait avec des postiers, des psys, moi je suis chercheur, on voyait qu'effectivement on subit les mêmes réorganisations, ça a été dit. Mais la politique du chiffre, à mon avis, est quelque chose de très important, en fait, aujourd'hui dans la réforme de nos collectifs de travail. Politique du chiffre, évaluation quantitative. Alors, ça porte le nom d'évaluation. Dans les faits, ce n'est pas une évaluation, dans le sens où on ne dévalue pas souvent les salariés, mais on les met en concurrence, ce qui est très différent. Quand on évalue, on regarde si les choses sont bien ou sont pas bien. Là, ce n'est pas exactement la même chose. On essaie de regarder les objectifs que remplissent les différents salariés, et puis on va regarder celui qui a réussi le plus, et on va les mettre en concurrence, et puis certains vont être éjectés, ou en tout cas vont être blâmés, ou vont pas avoir de progression de carrière ou autre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très néfaste. Et ça, indéniablement, ça induit une individualisation des travailleurs. Mais cette individualisation, je pense qu'on a raison de la critiquer parce qu'elle est illégitime, elle ne correspond pas aux valeurs, en tout cas, qu'on a envie de propager. Mais j'ai envie de dire que non seulement elle est illégitime, mais elle est aussi inefficace. Et même si l'efficacité n'est pas la faible oméga du combat communiste, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut affirmer et dire, en fait.
Moi, je le vois dans la recherche, le fait que chacun soit soumis à... Alors, qui c'est qui va avoir le plus d'ANR, qui c'est qui va avoir le plus de thésard, etc. Ça fait que les gens rentrent dans leur petite sphère, dans leur petit cocon, et il y a de moins en moins d'interactions entre chercheurs. Or, les interactions, c'est précisément ça qui donne des idées nouvelles, qui permet de partir sur des pistes auxquelles on ne pense pas, en fait. Cette individualisation détruit non seulement le collectif de travail, mais détruit même la qualité de notre travail. Et donc, il y a une vraie perte d'efficacité liée à cette individualisation. Donc, encore une fois, je ne pense pas que l'efficacité soit l'alpha et l'oméga, mais il n'empêche que je pense que ça, c'est un argument qui n'est pas anodin à dire. Et dernière petite idée, en fait, je pense qu'indéniablement, il y a besoin de travailler sur le collectif, il y a besoin de regagner une nouvelle conscience de classe, moi ça me semble juste par rapport à l'état de la société. Une des questions qui pour moi est pertinente, c'est le rapport entre l'individu et le collectif. C'est-à-dire que la conscience de classe, pour moi, elle sera d'autant plus pertinente qu'elle va s'articuler avec une certaine conception que l'on aura de l'individu. Le capitalisme, je pense, a eu beau jeu de récupérer l'individualisme, la volonté de s'exprimer, de s'émanciper, etc. Maintenant, c'est même une injonction à la jouissance, etc. Donc, tout ça, très bien, on le sait, on le critique. Mais en même temps, il ne faudrait pas que dans la critique, on aille jusqu'à critiquer des revendications légitimes d'émancipation de l'individu. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à articuler dans la conscience de classe que l'on veut développer la place de l'individu. Alors, évidemment, juste dans les phrases du Congrès, moi, une phrase à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est le libre développement de chacun et la condition du libre développement de tous. Ça me semble important et je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on ait vraiment en tête dans la définition de ce que c'est qu'une nouvelle conscience de classe. Merci. Marie, vous voulez dire deux mots? Je trouve le débat tout à fait passionnant et on n'en a pas fini, mais c'est juste sur un tout petit point. Tout à l'heure, un copain a dit est-ce que le sentiment de l'exploitation n'a pas été antérieur au sentiment d'appartenance de classe? Alors, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse là-dessus. Par contre, ce que je sais, dans des débats que j'ai avec des salariés de toute situation, des demandeurs d'emploi sans papier, etc., etc., c'est que le sentiment est très largement partagé de se faire complètement avoir, qu'il y a des exploiteurs, des exploités, etc., etc. Par contre, ce qui manque, c'est le fait de partager un sort commun avec d'autres. Et moi, je crois que c'est parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le sentiment d'être exploité, mais je crois que ce qui préexistait à tout, c'est le sentiment de partager un destin commun. C'est-à-dire, on vivait au même endroit, on travaillait au même endroit, on voyait qu'on était dans la même misère, on partageait cette misère, etc. On avait le sentiment de vivre quelque chose de commun. Et évidemment, ça différenciait des grands bourgeois qu'on voyait. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'ils ont réussi à faire dans la façon dont ils organisent le travail, c'est de détruire ce sentiment d'un sort partagé. Et ce que disait Daniel sur l'individualisation, dans le travail, on nous met en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Deux personnes qui ont le même métier, le même boulot, etc., on les met en concurrence l'une vis-à-vis de l'autre en fonction des résultats, des objectifs à atteindre. Si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est à cause du collègue, etc., etc. Et moi, je crois qu'on a beaucoup à travailler, nous, sur qu'est-ce qui fait qu'on partage un sort commun. Qu'est-ce qui nous identifie? Et je pense que c'est, pour moi, c'est ça, la nouvelle conscience de classe. C'est, je cherche pas... On ne retrouvera pas la classe ouvrière de la révolution industrielle des années 50-60, qu'on a tendance à idéaliser un peu d'ailleurs, hein, bon, mais je passe là-dessus. Par contre, je crois que mon travail, là, maintenant, c'est de redonner le sentiment qu'on partage la même condition avec d'autres et que donc on a intérêt, avec ces autres-là, de s'unir pour mettre fin à l'exploitation. Voilà, c'était tout. Je ne suis pas habitué de parler en public, donc on ne m'en voudrait pas si je cherche les mots. Je suis Morgan, je travaille à une direction nationale de la sécurité sociale. Et je vais apporter en fait quelque chose, enfin je vais vous dire un peu ce qui se passe en ce moment, voilà ce qu'on vit, un petit témoignage. Tout à l'heure, il y a un camarade qui disait que c'était bien de théorie, etc.
et qu'il fallait aussi penser à ce qui se passe concrètement avec les salariés, bah, voilà, c'est l'occasion. Nous avons un nouveau directeur et en gros, il a décidé de mettre en place des entretiens individuels, professionnels, on appelle ça des EPI, et... excusez-moi. j'ai essayé de lancer une petite... Enfin, d'amener les gens à réfléchir sur le danger de ces entretiens, et en fait, ça n'a pas du tout marché. Alors, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, parce qu'il nous a... il a divisé les salariés pour vous dire un peu comment il a procédé pour la mise en place. Il a fait des groupes de travail en disant, bon ben voilà, les cadres, vous serez ensemble, les cadres supérieurs, et puis les autres salariés. Donc il nous a regroupés, les cadres, dans une salle, et il a commencé, il a présenté son entretien en trois phases, que je vais vous expliquer. Il a fait une première phase très flatteuse, en fait, où il a utilisé le vocabulaire. En fait, ça, c'est la feuille puis, de l'entretien, j'ai tout noté sur le moment. Donc, je vais vous redire le vocabulaire qu'il a utilisé texto, en fait. Hein. Il a utilisé le terme de formation, hein, on va vous former, de développement personnel, d'indépendance dans le travail. Vous voyez, beaucoup de choses très, très flatteuses, très, très agréables, en fait, pour le côté narcissique. On va parler d'objectifs négociés. De dialogue, d'éléments constructifs, de souplesse, de négociation, hein, voilà. On essaie d'atténuer les choses, de dédramatiser, c'est vraiment le mot. On va dédramatiser les choses. D'indépendance dans le travail aussi, il a utilisé ce mot-là. Et ensuite, en deuxième phase, là on passe sur la partie auto-évaluation. Parce qu'à l'entretien individuel, il y a associé une auto-évaluation, ce qui n'est pas obligatoire, mais il a décidé de le faire. Et alors là, l'auto-évaluation, vous le savez tous, c'est très dangereux. Et alors là, il a carrément dit que il fallait éviter de dire qu'on dépassait les attentes. Parce que vous savez, dans l'auto-évaluation, vous avez votre objectif qui est défini, et puis vous allez... est-ce que je considère que j'atteins pas cet objectif, que je l'atteins moyennement, que je l'atteins, et que je le dépasse. Voilà. Quatre niveaux. Et il disait, bon, on va éviter quand même de dire qu'on le dépasse tout le temps, quoi. Enfin, il faut, à un moment, faut être cohérent, quoi, hein, voilà. Soyons modestes, voilà, c'est le mot qu'il a utilisé. Voilà. Et quand il a vu que, bon, il y avait quelques oppositions quand même, hein, voilà, pendant ce rendez-vous, finalement, c'était une réunion qui était extrêmement importante parce qu'elle allait déterminer le fait que l'on mette en place ces entretiens individuels au sein de la Caisse nationale. C'était quelque chose de primordial. Donc il y avait une vraie bataille à ce niveau-là, sauf qu'elle n'avait pas été présentée comme ça au départ. Et une fois que les gens avaient à peu près accepté le fait que oui, il fallait quand même être modeste, voilà, enfin, voilà, s'ensuit la troisième phase, où là, par contre, c'est lui qui prend le dessus complètement, et où il a vraiment introduit... il a vraiment réintroduit ses objectifs à lui. En fait, ce qu'il considérait comme essentiel pour la Caisse nationale, et en fait, il a affirmé son autorité en faisant ça, concrètement. Il a affirmé son autorité en mettant en place ses entretiens individuels et en mettant en place des objectifs qu'il voulait mettre. Voilà. Merci beaucoup, Morgan. L'importance des mots, moi, je pense qu'il est vraiment réel. Et d'ailleurs, il y a eu une révolution langagière qui s'est opérée au tournant des années 80 pour escamoter l'idée d'une classe ouvrière. Mais c'est vraiment, quand on change les mots, on change la vision qu'on peut avoir de la réalité. Et quand les ouvriers ont cédé la place aux opérateurs, aux conducteurs d'installation, aux pilotes de ligne, etc., c'était pas du tout un hasard. De la même manière, quand on a parlé non plus de qualification, mais de savoir-être, etc., on parlait de mission, les ouvriers avaient des portefeuilles de compétences. Enfin, il y a eu véritablement une révolution langagière qui apporter ses fruits. Dans un bouquin qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière », Beau et Pialou disent on a demandé à nos étudiants en cinquième année de le HESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, combien, à votre avis, il y a d'ouvriers. Bon. Et ils disaient 300 000, 400 000. Effectivement, on sait que c'est à peu près 5 millions. Mais ça a apporté ses fruits, l'idée qu'on n'est plus dans un monde où il y a une classe ouvrière.
ouvrière, etc. Ça, c'est la révolution mondiale. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, et c'est vrai que c'est très très important de parler de mission, de projet, on voit bien qu'il y a un travail idéologique, hein, on le voit vraiment avec l'exemple que vous avez donné sur la caisse, c'est travailler tout ça, c'est de penser. Souvent quand je dis, on me dit, mais vous voyez des choses machiavéliques, pas du tout, il faut que les gens acceptent de comprendre qu'il y a des stratèges qui pensent ces choses-là, il y a des consultants, des experts qui ont payé des fortunes et qui ont pour but, effectivement, de travailler le terrain idéologiquement, et on en est là. Et le deuxième point sur lequel je voulais dire quelques mots, c'est vrai que la conscience de classe, elle s'est éparpillée, et que les gens ont le sentiment de souffrir, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de souffrance au travail. Et pourtant, quand on parle du monde du travail maintenant, on parle au niveau de l'opinion publique, des masses médias, des missions parlementaires, etc., de la souffrance au travail, des suicides, du mal-être, des pénibilités. Mais ce dont on se rend compte quand on fait des enquêtes, et sur le terrain ou des enquêtes quantitatives, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils souffrent personnellement, qu'ils sont les seuls à souffrir et que les autres se portent très bien. Et enfin, c'est très frappant de voir quand les gens acceptent de parler de leur souffrance, c'est qu'ils intériorisent énormément le fait que s'ils souffrent, c'est un symptôme de leur insuffisance, de leur défaillance, et ils ont le sentiment que c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils souffrent. Et simplement, quand on essaie de rapporter ça à ce qui se passait dans les années 50-60, où évidemment il y avait beaucoup de souffrance aussi, on ne peut pas dire que la souffrance elle est contemporaine, et on ne peut pas dire non plus qu'il y a une souffrance qui est morale maintenant, alors qu'elle était physique avant. Sur les chaînes de montage, il y avait de l'humiliation, il y avait des atteintes à la dignité, il y avait du harcèlement moral, il y avait du harcèlement sexuel, et il y avait pourtant peu de mise sur la scène publique de ce phénomène de la souffrance parce qu'il était géré par les collectifs de travailleurs. Alors, il était géré comment ? À travers la solidarité, à travers la diffusion de savoir-faire pour s'économiser, pour prendre moins de risques, pour aller plus vite, pour donner du sens au travail, etc. À travers de la sociabilité, quand quelqu'un n'allait pas bien, on était là. Mais pas que. Ce qui était le plus important, me semble-t-il, c'est qu'il y avait, et ça va voir avec ce que tu disais sur le partage, le sentiment de partage d'un destin commun, c'est qu'il y avait une analyse collective des raisons de la souffrance. Et qu'on disait, si on souffre, c'est parce que le patron, il veut s'en mettre plein les poches, et si on souffre encore plus, c'est parce que, du point de vue du rapport de force, ça ne marche pas. Et du coup, il y avait un sens qui était donné à la souffrance, qui n'existe plus maintenant. Puisque les gens l'intériorisent comme un signe d'insuffisance personnelle, ils ne font pas le rapport entre leur souffrance et les enjeux sociaux, économiques et politiques au niveau de la société en général. Et si on accepte, enfin si on fait une analyse politique et syndicale de la souffrance, du coup, on a envie de se porter comme acteur collectif pour essayer de peser sur la réalité et faire changer les choses. Et c'est cette mise en commun d'un sentiment qui est complètement diffusé et qui est vécu individuellement, mais qui est collectif, s'il y a une mise en commun de cette souffrance, que les gens acceptent de considérer que s'ils souffrent, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il y a des organisations de travail qui sont perverses, et qu'il y a un rapport de force qui est défavorable, et parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience qui permet aux gens de lutter, je crois qu'on aura fait un grand pas en avant. Et troisième truc, c'est vrai que la quantification, le problème de la quantification, c'est un piège absolu qui met en concurrence les gens et qui leur font perdent de vue la réalité de leur travail. Parce que c'est une abstractisation absolument épouvantable de la réalité du travail que, par exemple, pour un chercheur, de lui faire cocher, de l'obliger à mettre un chiffre sur le nombre d'articles qu'il a publiés dans des revues internationalement reconnues, sans parler du contenu de ce qu'il y a dans l'article. Alors qu'avant, au moins dans les rapports d'activité, on développait les idées qui nous tenaient à cœur et sur lesquelles on pensait qu'on avait avancé. Donc je crois qu'on est vraiment dans un monde où on construit une abstractisation du travail, où on construit une sorte d'incapacité des uns et des autres à mettre en relation ce qu'ils ressentent avec la réalité de leur travail. C'est peut-être à partir de ça qu'il faut construire les choses. Moi, je pense que, effectivement, la perception d'un destin commun, elle devrait être facile à faire. Et pourtant, toute cette offensive idéologique et éthique fait en sorte qu'il y a une cécité, il y a un aveuglement qui est là. Sur la question de l'interlocuteur, enfin de la perte aussi de l'identification de l'interlocuteur, moi, des expériences assez récentes, c'était que
c'était difficile de se retourner contre un interlocuteur parce qu'on essayait de s'adresser au DRH alors que finalement le véritable interlocuteur c'était l'acheteur d'un autre organisme, en l'occurrence c'était le service des achats de l'État, et qui était responsable de... Enfin, qui finalement dans un contrat commercial était responsable de l'application du code du travail chez un sous-traitant. Ce qui fait que finalement c'était difficile d'identifier qui était censé enfin, s'occuper de la chose, parce que bon, au niveau de l'entreprise qui était une malheureuse petite entreprise qui n'arrivait pas à fournir des fournitures à ses salariés, c'était un groupe de 55 000 salariés, ils disaient que oui mais nous c'est pas nous, c'est le client qui nous brime avec son cahier des charges abominable, qu'au niveau de l'entreprise c'était sur de la prestation de service, qui était utilisatrice de l'entreprise de la prestation de service, elle répondait au syndicat que en fait elle voulait bien considérer le problème mais qu'elle n'avait pas de responsabilité dans l'affaire, et que le service des achats de l'État n'était pas très identifié, personne ne savait très bien à qui s'adresser. Alors qu'en en étudiant vraiment sérieusement les circuits, finalement c'est pas très compliqué, il y a trois personnes et une fois qu'on a identifié la personne, on peut commencer à lui écrire, elle fait pression sur la grosse boîte, et ainsi de suite. Donc, je trouve qu'il y a l'analyse concrète de comment est faite la mise en concurrence, parce que là c'est quand même des appels d'offres assez énormes, mais qui ont des répercussions sur des gens qui sont 2-3 sur des sites, donc qui ont l'impression d'être totalement isolés. Et que, bon, ben, ça je pense que dans la recherche c'est un peu le même genre de choses, enfin c'est très... En plus c'était dans un centre de finances publiques dans lequel il est en train de se passer exactement la même chose au niveau de la réduction des effectifs, de l'augmentation des cadences, de l'augmentation de la charge de travail. Donc il y a vraiment des mécanismes qui sont les mêmes, mais avec des interlocuteurs qu'il faut identifier pour pouvoir s'adresser à eux. Et une fois qu'on arrive à les identifier, finalement c'est pas si compliqué que ça. Merci. Une chose sur une petite définition de ce qu'est le travail, parce que finalement elle n'est toujours pas venue, alors je vais essayer de m'y risquer. Ce qui est difficile dans le travail, c'est que le travail, ça ne se voit pas, ça ne se mesure pas. Je reprends l'exemple que donne Morvan à propos de l'évaluation. On n'évalue pas le travail quand on évalue est-ce que les objectifs ont été remplis ou pas. C'est même l'inverse. On peut imaginer que celui qui ne parvient pas à remplir ses objectifs a donné plus de lui-même pour quand même essayer d'y parvenir que celui qui est parvenu relativement facilement. Donc on est sur quelque chose de compliqué. Le travail, c'est ce qu'on donne de soi pour résoudre des questions qui ne sont pas résolues par les procédures. On résout l'imprévu dans le travail. Et c'est pour ça qu'on dit, je veux dire, on donne de soi, on donne de ses connaissances, du savoir qu'on a accumulé ou que nous ont transmis les anciens. Ça, c'est immesurable tout ça. On donne de son affectivité également dans le travail. Et ça, ce n'est pas mesurable. Et pour faire un lien avec la question du pouvoir, puisque c'est ça le travail, qui a autorité pour juger de mon travail? Quelqu'un qui le connaît aussi. Et certainement pas quelqu'un qui pose des problèmes en termes de gestion financière, moyens humains, etc. Lui, il ne connaît pas mon travail. Il ne l'a jamais fait. Il n'en voit que les aboutissements ou les coûts. Celui qui est à côté de moi ou qui a déjà fait ce travail-là, il sait à quoi je suis confronté. Donc là, on discuterait travail et pas autre chose. C'est ce qui explique en partie pourquoi la conflictualité était plus grande dans les années 50-60, sans embelliser les choses comme l'a dit Marie tout à l'heure. C'est aussi qu'on discutait entre salariés de choses qu'on faisait tous de la même façon et dans le même endroit. En disant, mais pourquoi toi tu y arrives alors que moi j'y arrive pas? Comment faisait machin quand il était à ce poste-là? Là, on discutait de choses qui étaient communes. Et du coup, on cherchait aussi les uns et les autres, mais aussi on discutait en buvant un coup de comment on fait pour résister à cette pression-là. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'il faut mettre en cause? À ce moment-là, c'est tout à fait différent. Dans la stratégie de l'entreprise pour qu'on en bave un peu moins, ou pour que le travail soit mieux fait. À ces questions-là, s'en ajoutent d'autres aujourd'hui auxquelles on est plus sensible, c'est est-ce que ce qu'on fait, c'est du bon boulot et est-ce que c'est du boulot utile? Si on produit de la merde, hein, pour parler communément, et qu'en plus on en bave, on a deux fois raison de se battre.
Mais on a aussi une idée de qu'est-ce qui pourrait être du bon boulot pour nous, dont on serait fier, du bon boulot utile aux clients et à l'usager, et du bon boulot pour la planète, parce qu'on ne continue pas à dégrader des choses. Donc, mais ça veut dire qu'on discute vraiment du travail concret, et qu'on dit, il y en a qui ont autorité, donc là je parle même pouvoir, hein, pour juger de ça, et il y en a d'autres, on leur dénie le droit de juger de ça. D'où ce qui n'est pas résolu par les procédures. Je vous invite à aller voir dans l'établi de Robert Linhart ce joli petit morceau de bravoure sur les chaînes et avec l'ouvrier qui s'appelle De Marcy. Je vous invite à lire ça, c'est un vrai bijou d'analyse à lui tout seul pour voir le trajet qu'on a pu faire du temps de cette production chez Citroën, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un vrai bijou et c'est facile à lire et c'est un bon classique. Pour la Maryse, sur lequel nous alertait Michel a rebondi, c'est comment nous on s'organise politiquement, le Parti communiste, dans les entreprises pour traiter de cette question-là. On est confronté à une problématique très compliquée, du fait d'une part de l'organisation du travail, mais aussi de la capacité à des militants, même des syndicalistes, de s'exprimer politiquement en tant que communistes dans les entreprises. Donc il va falloir qu'on résoudre ce problème, parce que si on veut, tout ce qu'on a dit là, organisation du travail, mettre des mots, faire un travail idéologique dans l'entreprise. Moi je discute, j'ai 3 cellules d'entreprise dans mon arrondissement, dont une qui est liée à la CGT, c'est le centre Suzanne Masson, et il y a la maternité des Bleuets. Bon, quand vous allez discuter avec ces copains-là pour leur dire alors comment ça fonctionne la cellule, etc., ils sont en grande difficulté, d'une part d'avoir une expression politique, parce que souvent l'expression est d'abord syndicale, et d'autre part pour trouver le temps de s'organiser. Donc il va falloir que dans ce congrès, d'une part, Michel l'a pointé, je suis d'accord avec lui, il y a un débat sur les moyens pour ces cellules et ces sections, mais d'autre part, bah, vraiment de discuter comment on fait. Alors moi, je voudrais juste donner un petit témoignage personnel, enfin avec ma section. La question, c'est pas, il n'y a pas seulement que l'organisation dans l'entreprise. Déjà, c'est comment on s'adresse aux salariés de l'entreprise pour être écoutés. Nous, on est allés, il y avait un problème à France Télévisions, c'était pendant l'année dernière dans la campagne électorale. Vous savez, il y avait eu tous les films qui étaient sortis pour dénoncer, comment ça s'appelait, pas les bêteurs. On est allés, comment on a fait? Heureusement, on avait des camarades du Front d'Autriche qui n'étaient pas encore ni au parti de gauche, ni au Parti communiste, mais qui était intéressé par travailler avec nous au Front de Gauche et qui était à France Télévisions. On a discuté avec eux et on a discuté avec eux de leur travail, des conditions, etc. Et à partir de là, on a défini quelles étaient leurs attentes par rapport à la qualité de journaliste et qu'est-ce qu'ils attendaient qu'on mette en place politiquement. Et comme on avait quand même un programme humain d'abord, on avait des choses à proposer de ce point de vue-là. Et donc, on a fait un tract, mais partant totalement de la façon dont ils ressentaient les attaques, de la façon dont ils ressentaient leur travail, pour ensuite déboucher sur nos propositions. Et vraiment, puisqu'on a des camarades à l'intérieur qui nous ont dit que vraiment, si jamais il y avait un tract qui avait été aussi bien adapté au contexte et qui avait été lu par tout le monde. Je crois que surtout à le mettre en œuvre après, mais déjà dès samedi, à la Fédération de Paris, les délégués à la conférence fédérale doivent discuter de comment mettre en œuvre justement ce problème. Merci beaucoup.